regardez, j'ai un trop beau t-shirt. Attendez, faut que je vous le montre en facecam. C'est la Team Rocket, plus rapide que la lumière. Et attends, c'est de l'autre côté. Regarde, j'ai un Pikachu Rocket. Voilà, c'est mon kiff du jour. Voilà, c'était c'est ma petite satisfaction. Je kiffe ce t-shirt. Je l'avais pas vu depuis longtemps. Faut dire, il est jaune vif, ça, il se plaît pas où je suis. Voilà, il se prête pas à l'hiver. Bah non. Mais par contre, au printemps-été, il est pas mal. Salut Yousrat, salut Kalius, salut tout le monde. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Pourquoi je fais ça? J'ai pas chaud. Parce que je me suis activée. Je me suis activée. J'ai fait pas mal de choses déjà. Tu as mis du rouge à lèvres ou c'est la caméra qui contraste de fou? Non, j'ai mis du rouge à lèvres. J'ai mis du rouge... Parce qu'un rouge à lèvres rouge avec un t-shirt jaune vif, en plus le rouge, il renvoie au R. Ça va toi, Vic? Non, la caméra... Non, la saturation est un peu poussée sur ma caméra de base. Parce que sinon, tout est très pâle, tu vois. Mais non, non, pas à ce point quand même. Non, 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 non. Non, là, là... Ouais, il est pas aussi rouge. Le t-shirt, en vrai, le jaune est proche. Les rouges de mes lèvres est pas aussi rouge, je pense. Quoique, peut-être. Non, il doit être un peu moins rouge. Et je suis pas aussi rouge de tête aussi. Bah, c'est sur ma tronche que c'est un peu plus saturé. En vrai, le t-shirt... C'est grosso merdouillette, le look IRL, hein. Je viens de voir que Biblio m'a offert 12 e-books, je sais pas pourquoi, mais ils sont dans Biblio, il y a même un bookmark. Mais what tell what? Parce que t'as créé ton compte. Normalement, quand tu achètes ta liseuse, t'as des e-books offerts. C'est peut-être ça. Non, après. Alors, je ne sais pas. J'en avais de base, ok. Écoute, d'accord. Eh bah écoute, ce matin, je ne suis pas des plus motivée, je suis encore dans le mois du réveil, mais je compte sur ce stream pour me rebooster. Au pire, mais une musique qui bouge, Vicky. Hein. Là, j'en ai 12 de plus. Wedel, c'est un mystère. Tant mieux! Écoute, t'as gagné 12 livres. Non, il doit y avoir une explication rationnelle, hein, mais... Attends, j'enlève les notifs. J'ai des notifs, j'aime pas quand j'ai des notifs. Ça me tend, parce que après ça me fait des petits points rouges. Et Waouh! Ah oui, il y a beaucoup de vocaux. J'ai beaucoup des vocaux à écouter après le stream, hein. Mazette. Je viens de finir l'année de grâce, tu l'as lu? Oui, je l'ai lu il y a longtemps. Bonjour, Ex-Lorax. Attends, j'ai un poil de chat sur rouge à lèvres. C'est très chiant, ça, hein. J'ai mis du ABBA, mais ça n'a pas suffi, j'aurais dû mettre une autre chanson que Noline. Mais oui, non, mais il faut un truc qui plus, Vic. Tu sais ce que tu devrais te mettre? Attends. Je vais trouver un truc, moi. Je vais trouver un truc qui va te faire partir. J'ai une playlist motivation. C'est toutes mes chansons qui bougent le cul, tu vois. Je sais, attends. J'en ai une en tête. Alors, t'as celle-là qui est pas mal. C'est pas que ça bouge, mais elle a un rythme de badass, tu vois. Ça, c'est pas mal pour... Après, bah, elle bouge un peu plus après, hein. Une, mais c'est pas elle que j'avais en tête. Elle, je crois. C'est pas elle, mais elle est bien aussi. Mais du. What's a prob? Dog. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai pas l'air. En fait, ma playlist est trop grande. J'ai même oublié ce que je cherchais. Comme ça, on est bien. Celle-là, elle est top. Celle-là, elle est incroyable. Voilà, bref, ça c'est Victoria's Secret de Jax. La première que je t'ai fait... Ah merde, c'était quoi la première, Jenny? La première c'était... Ouais, attends. Ça
est-ce que vous avez la première? What's the prob, non? Ah, merci, JB Gacha. What's the prob? Dog. En fait, j'ai des trucs, j'ai un peu de tout. T'as celle-là aussi. Incroyable. En vrai, tu peux pas. Alice peut témoigner, puisqu'on a passé une semaine à vivre ensemble l'été dernier. Je vis en musique, hein. Moi, le matin, quand je me prépare, c'est musique. Le soir, quand je me couche, c'est musique. Quand je fais à manger, c'est musique. Quand je fais le ménage, c'est musique. Ah non, je veux pas que bien commencer. Je ne peux pas me préparer sans musique. Impossible. 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 Et ma dernière. Après, j'ai aussi mes trucs de comédie musicale, hein, mais une petite dernière, c'est elle, là. C'est celle-là que j'avais en tête parfaite, là. Attends. On va être démonétisés, c'est pas grave. Oh my god, oh my god. Ah, j'adore. Ça me tire. Bon, cette partie-là sur YouTube, vous n'aurez sans doute pas de son. Parce que YouTube, il va me dire eh, sinon, on met pas la rediff. Donc c'était Bass God. De toute façon, vous l'avez peut-être pas, hein. Bass God de Yellow Claw et Julien Sebulbe quelque chose. Voilà. Voilà. La musique me déconcentre, je pars en concert et j'avance pas. Fallait que je réveille Vic, c'est pour ça. Salut Clochette. Bref, eh, si avec ça vous êtes pas motivé, là on peut pas mieux commencer la journée, hein. Là c'était pas possible, hein. On peut pas, hein. C'est juste que j'étais pas allée sur Discord, c'est pour ça que je demandais. De quoi Kiroua? Tu demandais quoi? Ah ok, ta réponse c'est pour Vic, c'est vos trucs entre vous, très bien, très bien. Après, c'est pas grave, tu fais sur Discord et ils te revalideront quand ils pourront, hein, Kiroua, c'est pas grave si c'est pas fait à la seconde, hein. Est-ce que vous êtes prêts du coup pour les e-books? Dites-moi. Alors j'ai toutes les musiques dans ma tête maintenant, là ma tête c'est un cerveau, là. C'est une tambouille, c'est une tambouille. En plus, après les e-books... il faut que je trouve un nouveau site. Vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez understand. Mais d'abord, les e-books. Du coup, je récapépète. Je suis toujours en partenariat avec Vivilio, même si j'ai plus... En fait, en gros, ils m'avaient contacté pour que je fasse une intégration YouTube de la liseuse, qui m'ont envoyé gracieusement ce que j'ai fait. J'ai été rémunérée pour ça. Et depuis, je suis plus rémunérée par eux, on n'a plus de lien. Enfin, on est toujours potes, tu vois, mais genre, l'OP est toujours active, puisqu'ils m'offrent 15€ d'e-book par mois. Alors, je crois que ça s'arrête bientôt, d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, pour le moment, on a gardé ce concept-là. Donc, je suis sur leur site et j'ai droit à une valeur de 15€ d'e-book mensuellement, voilà, et que je choisis, bien entendu, avec vous, évidemment. Et le challenge, c'est de réussir à trouver des livres, bien entendu, qui me plaisent, mais ça, c'est pas trop dur, qui sont pas très chers, parce que... Il faut réussir à rentrer dans le budget. Et qui a une différence majeure avec le prix en format broché, tu vois, par exemple. On essaie d'éviter de prendre des poches, tu vois, histoire que ce soit rentable le plus possible. On est dans l'optimisation du peuple, tu vois. C'est important. Valeur de l'argent, tout ça, tout ça. Et là, le chat est tibou. Salut Nimfae, comment vas-tu? Et bah du coup, let's go, hein, mes enfants. Let's go, bitches. J'ai envie de dire. Poche en e-book, c'est pas trop rentable. Bah, c'est ça. On a bien avancé sur le 70-30. Oui, et t'as vu, Vic? Oui, t'étais pas là hier. Le challenge Twitch Plus, on est à 111 sur 350. Vous êtes incroyable. Merci beaucoup pour vos abonnements. Vous êtes fort soyeux. Et vous avez vu, je l'ai affiché en bas comme vous me l'avez demandé, hein. Je suis une bonne fifi, hein. Alors, e-book. Promotion, bien évidemment. Promotion. Bien sûr. Bien sûr. C'est ouf comme cet ami de bonne humeur, la musique c'est assez instantané. Oh, j'étais de bonne humeur avant, bien parce que j'ai écouté avant. Ça joue, hein, mais vraiment pour bien commencer la journée, réveillez-vous déjà un peu. Alors moi ce que je fais, oh, bah, on papote. De toute façon, est-ce qu'on est pressé? Non. Je veux dire, on est en stream, on n'est pas dans des horaires de bureau administratif, tu vois. Donc moi ce que je fais le matin, ce que j'essaie de faire comme routine, je me réveille, je fais mes étirements abdos,
Ça peut être un peu de lecture avant, un peu de lecture après. Ça dépend à quel point je suis réveillée. Parce que genre, si j'ai mal partout en me réveillant, j'attends un peu que mon corps il soit un peu moins engourdi, genre une demi-heure, tu vois. Après, bah là, ce matin, j'ai travaillé. Parce que ça fait 2-3 jours que je travaille tôt le matin parce que j'ai beaucoup de taf. Et après, je me prépare en musique. Au début, je me suis dit que tu pourrais simplement prendre ce que tu n'as pas pu prendre la dernière fois. Mais après, je me suis dit, il n'y aura pas de stream, sinon j'ai une belle logique. Mais surtout, c'est plus les mêmes promos, Samo. Ben oui. Les promos changent. C'est pour ça qu'en fait, les promos qu'on avait sélectionnés ensemble pour février, si je dis pas de conneries, on n'avait pas pu les prendre parce que les promos étaient terminés. Donc, ils m'ont dit que c'était trop cher maintenant. T'es toujours vendeuse. Oh bah non, ça fait longtemps. Ça fait 6 ans, 7 ans, je ne sais plus, que YouTube, c'est mon travail. Enfin, YouTube, que faire des vidéos sur Internet, c'est mon travail à temps plein. Salut, Baronne Voldy, bienvenue à toi. Une baronne parmi nous, très chère. Alors, on a le mois du polar, 300 e-books en promo. On va quand même regarder, mais à mon avis, je vais pas prendre grand-chose. Merci Calius pour ton sub. Merci beaucoup. Calius nous fait gagner un point. On passe à 112 points grâce à toi. Merci énormément. Choisis un chiffre entre 1 et 2, s'il te plaît. Oui, mon troisième carnet est dans le salon. Voilà. C'est des choses qui arrivent, même aux meilleurs d'entre nous. Et un point de plus en moins pour Captive. Oui, parce que, alors, tous les 10 points... Il y a la roue, donc la roue, c'est ça. Attendez, il faut le temps qu'elle s'affiche, hein, parce que voilà. Et après, quand on n'aura plus la roue, enfin, on aura toujours la roue, mais à partir de 170 points, il y a des contreparties. Parce qu'en fait, 150 points, c'est ce que j'ai en moyenne par mois, tu vois, de sub. Donc à partir de 170, challenge. Challenge, voilà. Et donc, la plus grosse contrepartie, c'est que je fais un vlog lecture en lisant une dark romance. Voilà, c'est... Je le rappelle, ça peut donner envie aux gens de se sub. Oh, Mina, t'es trop mignonne. Les choupsis investis, quoi. Vraiment trop chou. Du coup, donc, on a le mois du... Oh, Thalys, Calius, ça fait plaisir et 1. Parfait. J'ai failli t'oublier ta citation, ça aurait été fort ballot. Alors... Calius. Circé de Madeleine Miller. Oh, elle est longue. Attention, accroche-toi. Je n'avais pas de droit sur lui. Je le savais. Néanmoins, dans une existence solitaire, il existe des moments rares où une autre âme plonge tout près de la vôtre, comme les étoiles qui s'approchent de la Terre une fois par an. Pour moi, il avait été ce genre de constellation-là. Trop joli. Tu t'en sors. Alors là, c'est un mois d'âme sœur, Calius. Oh, ma Wattel, merci beaucoup. Wattel qui prend un sub tiers 3, ce qui nous ramène 6 points, parce qu'il y a 3 tiers différents, tiers 1. 1 point, tiers 2, 2 points, tiers 3, 6 points. What what, on passe grâce à toi d'un coup à 118. Moi qui pensais que je n'allais pas tourner la roue ce matin. Peut-être. D'ailleurs, entre un sub tiers 2 sur 6 mois et un sub tiers 3 sur 3 mois, qu'est-ce que tu penses qui est le plus smart? Je dirais 3. Pour le challenge qui nous intéresse, tu vois. C'est what what, choisis un chiffre entre 1 et 2, ma fille. Salut Thibaut, je suis dans la team Rediffcar Canada, donc horaire différent. Je profite de mon quart de nuit pour rejoindre ton live. Je te suis depuis longtemps, ouverture Pokémon, Pulip, et maintenant je me refais tout à S. Bref, je suis vraiment ravie d'être là, tu m'as inspiré pour beaucoup de choses, big love. Merci Taco, c'est trop gentil. Mais bienvenue, bienvenue. J'imagine qu'au Canada, oui, ça fait un sacré écart. Tu peux toujours follow si jamais c'est le petit cœur sous le stream, c'est total gratos, hein. Mais t'auras une notif si je stream, bon, même si tu dormiras sans doute, mais. Who knows? Un petit 2 pour ma Wet Wet. Un petit 2. Attention. On apprend à sauver des vies, mais jamais à réanimer sa peau et celle d'un autre. Alors attends, on va voir de d'où ça vient. De changer l'eau des fleurs. Oh, il est tellement beau celui-là. Je pense que tu l'aimerais bien, changer l'eau des fleurs. Ça te changerait de ce que tu lis, mais il y a moyen qu'il te plaise. Très jolie citation. Incroyable, on est à 118 points. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Donc, mes promos. Eh, on doit pas être si loin du chouchou quand même. Ah si, non, attention, on en a deux, on en a deux, c'est trop tôt, quoi. Oui, c'est possible, ouais, ouais, c'est fort probable même, c'est fort probable. Donc, le mois du polar. Donc, il y a peu de chances que je choisisse quelque chose, mais on va quand même regarder. La braderie du printemps, 500 titres en promo. Ah, ça peut-être. Ça sent le feel good, mais who knows. La chasse aux The Book commence. Ah là, il va y avoir du bookmark, je pense. Quoique là, il y en a pas. Je serais pas étonnée qu'il y en ait. Ça a l'air d'être plein de trucs à 2,99, ça c'est cool. 10 thrillers à moins 50%. Oui, non, mais les thrillers... Stephen King. Oh, je pourrais me prendre un petit Stephen King. Faut voir à combien ils les mettent en promo, parce que 5 balles, c'est cher. 70 romans pour voyager à travers le monde.
Offre flash des e-books à 70. Mais il y a combien d'offres? Ah ouais, on n'est pas rendu, hein. Alors, en vrai, si ça vous va, les thrillers, je vais vraiment passer vite quand même, parce que c'est pas ce que je lis. Donc, oui, mais j'en ai déjà plusieurs, Mina. C'est pour ça. On va regarder vite fait pour que vous ayez une idée, si jamais ça vous intéresse, de voir les promotions possibles. Mais moi, les thrillers, non, hein. Merci Akao pour ton follow, merci beaucoup. Je follow déjà, haha, je suis aussi sur Discord et je te suis religieusement sur Instagram. Je t'adore et tu es ma safe place. Ta façon de penser a aidé la jeune adolescente en moi à se trouver et maintenant je suis une jeune adulte qui est full optimiste grâce à toi. PS, est-ce que tu détestes toujours autant les bulles dans les breuvages? Oui, ça n'a pas changé, tacos. Ça n'a pas changé, je ne peux pas les bulles. Tu me fais boire un truc avec des bulles, je suis comme ça. Donc ça n'a pas changé, merci beaucoup, t'es trop mignonne. Et coucou Yuri-chan. J'ai trouvé Marche ou crève de Stephen King en boîte à livres, c'est pas mon genre, mais apparemment il est bien. Il est top. Et c'est pas horreur. C'est plutôt dystopie. Voilà, on scroll, hein. Non, mais... Ah, il y a 5 pages! Ah bah oui, mais en même temps, il y en a 500. 300, pardon. Et voilà, c'est... Après, il y en a, ils ont l'air intéressants, hein. Mais moi, thriller, pipi-culotte, hein. Moi, je lis ça, en plus, je lis avant de dormir. Alors, tu penses, non, je peux pas. Il faut que je pense à ma santé mentale. En plus, je suis bien en ce moment. Merci Yuri-chan. En plus, je suis bien en ce moment, j'ai un bon truc. Genre, quand je stresse, j'arrive à respirer par le ventre et machin, à faire passer le stress. Je vais pas commencer à me mettre des morts, hein. Enfin, des morts, ça me gêne pas, mais des morts dans les serial killers, si, ça me stresse. Ça me... Mais au moins, c'est bien, ça fait une catégorie qui est un peu rapide, quoi. Bah, c'est. Clochette, c'est. Ça dépend des promos que tu cherches. Ils changent tout le temps, ils ont plein de promos. Et pour le coup, moi, c'est les e-books de ma liseuse. C'est le site de ma liseuse. Donc de mon côté, je suis très contente de ce que je trouve à chaque fois, hein. On trouve des sacrés bons trucs. C'est gentil, j'y vais, merci beaucoup. Tu lis quoi en ce moment? Je suis au bout des Monstres de Papier tome 2. J'ai hâte de vous en parler, il est grave cool. Là où vivent les loups. Tu vois, c'est intéressant, ça m'attire, hein. Il y a des couvertures que je vois passer là où je suis en mode... Ah, mais non. Soyons raisonnables, tu vois, genre... pensons à moi-même un peu, hein. C'est... Bon, après, t'en as, ils me tentent pas, hein. Genre ça, là, non. Ça, pourquoi pas? Mais c'est piégeux, t'as l'impression que c'est léger, puis un loup, c'est sympa les loups, mais non. Non, c'est... Royal Blood, ah! Ça me dit un truc, ça. Peut-être quelques-uns d'entre vous qui l'ont lu, ou alors c'est juste parce que c'est une couronne sur la couve. De toute façon, 5,99€, c'est un peu cher, hein. Oh, alors, Inshine, j'ai fini Force Wing. Alors, Exorax, tu fais partie de la team qui kiffe ou qui kiffe pas? Royal Blood, c'est Young Adult, ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça. Oui, il y a du jeunesse aussi. Ouais, il y a de tout en thriller, en vrai. Bah, une lecture des Midas. Ouais, peut-être gâché, hein. Ok, bon, ça, j'ai dit je ferai le tour rapide. Alors, là, par contre, on va commencer à regarder de manière un peu plus consciencieuse. Même si, en vrai, 500 titres pour fêter les beaux jours, il peut y avoir de tout, hein. Moi, je suis pas très feel-good. C'est un peu les deux catégories. Il manque la romance. Il y aurait eu romance, thriller, feel good. Mais après feel good, des fois il y a des très bonnes surprises. Juste faut pas que j'en lise trop, tu vois. Ah, t'en as pas eu Scarlett? Ah, mais c'est parce que j'ai pas eu ton. J'avais pas eu ta notif tout de suite. C'est pour ça que j'ai bugué après. Bah vas-y Scarlett, choisis un chiffre entre 1 et 2, ma belle. Ah, cool, Lorax. Ça c'est cool. Ah, un petit Schmitt. Ah oui, mais c'est un tome 1. Mais un petit Schmitt, ça pourrait être sympa. Hein. Le craquant et la... Ah, tu vois ça, genre, ah, le craquant de la nougatine... Pas... Oh, il y a le chien d'Achille! Elle s'appelait Sarah. Ah oui, attends, elle s'appelait Sarah, c'est dans La braderie du printemps, 500 titres pour fêter les beaux jours? Attends, elle c'est bien les nazis, les camps de concentration et... Oh, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, non, mais... Super pour fêter le printemps. C'est trop bien. Vraiment, je... Grosse poilade, tu vois. Scarlett a dit 1. Pas de problème, t'inquiète, c'est moi qui suis désolée, hein, t'as pas eu ton truc. Et non, Vic, ton sub a pas encore compté puisque tu l'as pris le 31 du mois dernier. Donc je ne sais pas si il comptera le 30. Je sais pas comment ça marche. Bonne idée, Thorax. Salut, Sardine. Alors, Scarlett... Waouh, c'est une grosse page. Ça vient d'où? Un palais de flammes et d'argent. Un palais de flammes d'argent de Sarah Jimas. Elle lui raconterait son histoire plus tard, quand elle serait prête. Et Nesta lui laissa lire sur son visage que rien de ce qu'elle pourrait révéler ne la détournerait d'elle.
Pour moi, tu seras toujours la bienvenue, Nesta. Jusqu'à cet instant, Nesta ne s'était pas rendue compte du besoin qu'elle avait eu d'entendre ces paroles. Le tome 4. Ah, mais t'avais pas déjà lu le chant d'Achille? Ah si, si, je suis juste contente de le voir. C'est juste mon petit kiff. Je suis sûre. Et ça, c'est printanier. Là, pour le coup... Purée, j'espère qu'il comptera. Non, mais normalement, oui. C'est juste, en fait, je sais pas. Quand t'as pris le 31 et que le mois fait 30 jours, je sais pas comment ça marche. Merci pour le follow, Lucan35. Merci, bienvenue à toi. Oui, non, ça... Pédophilie. Oui, non, mais c'est bien. C'est printanier. C'est sûr. C'est ça le problème. Coucou Kiroua. C'est comme moi quand je passe en librairie, que je regarde chaque livre et que je suis là. Oh, je l'avais lu celui-là, j'avais bien aimé. Oui, mais je suis pareil, Mina. Je crois qu'on fait tous pareil. Hein. Polar. Non, mais on veut pas de polar. C'est pas printanier les polars, les gens qui meurent, tout ça. C'est octobre-novembre, ça. Double amnésie. Oh, l'intégrale de Jane Austen. Ah oui, mais je les ai. Je les ai normalement dans la collection Roman Éternel, mais. Ah, bonne question, Pri-Pri. Mais Pri-Pri, mais t'es si précieuse. J'ai pas ton sub, Miss Pompong. J'ai ton message. J'ai pas ton sub. Mais ton message reste adorable. Mais j'ai pas encore la notif. je te referai un poutou quand j'aurai la notif. Ouais, grave, Chine. Des gens qui meurent, mais il y a des fleurs. Mais il faudrait mettre changer l'eau des fleurs au moins, tu vois. Stephen King. Ouais, mais il y a une autre promo avec les Stephen King. J'ai déjà lu l'univers, de toute façon. Donc, Bonjour Sophie, comment vas-tu ce matin? Ah, ça, d'accord, ça c'est printanier, ça, d'accord. Là, il y a des fleurs, il y a du cul, bah ok, là c'est le printemps, tu vois. Secret de milliardaire, âme jumelle, oui, bah ça baisse, quoi, ça va, ça, ça. Ah, Be My Lover. Il y en a qui l'ont lu dans la commu, ça. I know. En fait, il y a des trucs que j'ai envie de cliquer dessus pour voir, mais en même temps, je sais que... Brop, tu vois, c'est vrai, Rinshine vu comme ça. C'est vrai. Salut Athénaïs. Je comprends bien. Oui, bah voilà, oui, c'est mignon, quoi. Mais oui, mais moi, je cherche l'étincelle, tu vois. Je cherche le... C'est encore loin le bonheur. Oui, non, mais... Je cherche le... Tu vois la révélation, un peu. Il y a des e-books intéressants. Pas encore. Enfin, si, mais pas pour moi. Tu vois, c'est plutôt ça, parce que je suis chiante, mais... Enfin, chiante. J'ai mes goûts. Et du Nora Roberts. Le sang des sauvages, tome 1, d'accord. En eau trouble. Ça fait très trouble d'érection. Faut peut-être pas mettre trouble et une tête de mec sur une affiche, hein, sur une couverture, ça. Ça perturbe. Non, j'ai cru que c'était un bookmark, mais non. Je crois que les bookmarks seront après. C'est ça, Sophie. Je vis pour la petite flamme. Les aventures de Charlotte Holmes. Il y a combien de sœurs, Sherlock, en fait? Enola, déjà? C'est déjà pas mal. Le dieu des petits riens, ça me dit un truc, ça? Dans 10 jours... Ah, c'est dans 10 jours que ça te fait ton anniversaire de sub, Vic? C'est pas logique. Mon prochain... Ah ouais, c'est chelou. Parce que t'as sub le 31. Je crois que de base, il a pas de sœur. Ouais, il me semble aussi, hein. Ça n'a aucun sens. Elle l'avait pris avant que son sub se termine. Ah, peut-être. Ah oui, mais c'est ce qu'on se demandait, si ça changeait la date d'anniv ou pas. Quand vous changez de palier, vous savez. Ouais, non, c'est chelou. J'ai pas envie de badant, là. J'ai envie... Fais-moi rêver. Fais-moi... Non, mais ça, non, là. Les médecins... L'héritage, les gens riches. Je veux pas me taper des riches. Laissez ça à Yéline. Vous verrez ça dimanche. Charlotte Holmes, c'est bon, je t'ai vu. Oui, alors c'est vachement printanier. Alors ça, oui, d'accord. Cahier de recettes, kilo émotionnel, d'accord.
Quand il y a 30 jours, ce sera le dernier jour du mois. Comme en février, les abonnements sont le 28 ou le 29. Ah, possible bien. Possible bien. Perso, ça change la date de mon sub. Ah oui, mais du coup, ça dépend. Michel Sardou. Non, ça va. Vraiment. J'aime bien des chansons de Michel Sardou, mais j'ai pas envie d'avoir un livre dessus. Hein. Au commencement était le sexe. Ah, voyons voir. À chaque seconde, oui, bah oui, oui, oui. Alors, je regarde ça parce que j'aime bien en général les romans. Comment on appelle ça? Comme la courée. Comment ça s'appelle? Attends, Livre Addict va m'aider. Là, j'ai avancé, j'ai quasi fini Les Monstres de Papier. Ouais, il est temps en même temps, tu vas me dire, mais. La courée de Marie-Paul Armand, c'est rangé en quoi? Ah, ils ont mis en historique, il y avait un autre nom avant. Ils ont mis un autre nom. Pourquoi il n'y a pas le mien? Ah, peut-être là alors. Terroir! C'est ça. Oh bah, Jachana. C'est terroir où c'est rangé. Et ça, en vrai, alors c'est aussi roman historique, hein, parce que du coup, tu plonges dans l'histoire de l'époque, mais plus du côté du peuple, pour le coup. Et je trouve ça vachement intéressant, donc je regarde ça avec intérêt, parce que ça a l'air d'être le genre d'histoire qui peuvent être dans ce truc-là, tu vois. Ouais, voilà, Terre de Poche, c'est ça. Et ça j'aime bien, ce genre de truc en général. Mais bon, c'est pas... Bisous, Sandrine! Ça me dit un truc, Piranèse. Pourquoi j'ai fermé Livre Addict? Je fais ça à chaque fois. Hein. Est-ce que je l'ai pas vu en librairie? Je pense que oui. Il me reste un jour à mon abonnement Prime, je compte me resub demain en sub normal pour aider. Est-ce que ça va m'enlever des sponsors Discord pour un jour? Non, 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 pas tout. Non, 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 ne t'inquiète pas. Au contraire. Après, de toute façon, si jamais tu vois que ça s'actualise pas, tu me le dis, j'actualise le bot moi-même manuellement et c'est en direct. Tu peux se faire... Normalement, le bot le fait tout seul toutes les heures ou toutes les deux heures. Des fois, il y a un cafouillage, ils font un truc ou quoi et c'est moi qui dois le faire, mais c'est très rare. Hein. Ah, je comprends, Jachana. Mais c'est sympa comme genre, trouve pas? Je m'en doutais que je l'avais en Wish. Ah, bah lui, je vais peut-être le noter. Après, il est à 4,99. Après, lui, je crois qu'il coûte cher. Ah non, non, il existe en poche, j'ai rien dit. Moi, je l'ai vu en grand. Il existe en poche. Je vais le noter. Mais... Magicien... De qui, Tacos? Ça me dit un truc. Alors, Orga, on va noter quand même, on va noter quand même. Piranèse, hop. Mais il est cher, donc. On va voir. Parce que, pour le coup, vu qu'il existe en poche, c'est pas forcément l'achat le plus smart, tu vois. Mais, il me fait... Il y a la petite flamme, tu vois. Il y a la petite flamme. 5 euros, ouais, c'est ça. Tu vois. Et lui... Miss Pom Pom, ça a marché! Bon, je personnalise pas l'alerte et ça recommence. J'avais 19 mois à nous, Matibou, plein de poutous. Oui, c'est plus court, mais est-ce que ça fonctionne? Oui, ça marche! Merci, ma toute belle. Et elle nous rapporte un point, Miss Pom Pom! On est à 119. Dis-moi un numéro entre 1 et 3. 1 et 2. Je sais pas mon troisième carnet. S'il te plaît. Hop. Ah ouais, je connais le taco, je l'ai lu, c'est trop cool. 2. Bientôt la roue, oui. Jachana, elle attend, hein. 2. La joueuse de sitar. Nous savons toutes les deux qu'il y a plus d'une façon d'être dangereuse. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, bof. Non. C'est intéressant, mais je vibre pas. Tu me connaissais bien. Les grandes lois de l'univers et la gravitation pratique... Non, ça va, les particules quantiques, je vais faire sans. C'est gentil, mais...
Marie des adresses. Ça doit être. C'est peut-être terroir, ça aussi. Territoire, ouais, c'est ça. En fait, j'aime bien. Après, il y en a qui sont plus ou moins romancés. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fort romancés. Mais ce que j'aime beaucoup avec la Corée, c'est que t'as vraiment le plongeon dans dans l'époque, quoi. Mais en fait, t'apprends plein de trucs, mine de rien. Ma Bible de l'hypersensibilité. D'accord. Les Gaulois, vérité et légende, oui. Oui, je ne vois pas en quoi c'est printanier, mais soit. C'est bientôt aussi les 170 points. C'était quoi comme contrepartie déjà? Alors, 170 points, donc la première contrepartie, c'est vrai qu'on approche. Oh putain, c'est que je me fais un masque beauté moche en stream. Suis pas pressée, pressée. Hein. Non, parce que autant vous faire une story avec ma tête débile, ça dure 1 minute et puis ça dure 24 heures, tu vois. Là, ça me délire. Hein. Tu cherchais quoi comme genre? Rien de spécial, Lorax. Le Killing November, vous êtes quelques-uns à l'avoir lui aussi, ça. Je cherche l'illumination. Oh, les invaincus! Est-ce que je l'ai? Ah, mais il est à 4,99 aussi. Mais je crois. Ah, ou je l'ai en Wish. Plus que 50 points, on s'approche à grands pas. Ouais. C'est vrai que. On approche, on approche. Mais je l'ai même pas en Wish, what the fuck? Mais il sort d'où lui? Attends. Il y a une couille. Comment ça se fait que je l'ai pas en Wish? Ah mais. Ah bah non. Bah. Tu peux m'appeler Laura. Je vais essayer de retenir Laura. Mais. Ah oui, non, je l'ai pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Bah. Ah bah je m'en remets pas! Non, parce que je l'ai déjà vue cette couve! Plusieurs fois! Pas celle-là par contre. En même temps, il le sort en poche dans 20 jours. Donc on va mettre celui-là en Wish. Du coup, je l'achèterai en poche, hein. Il faut un beau masque moche. Oh, t'inquiète, Calus, j'en ai plein qui sont dégueulasses. Je vous ferai un sondage, vous choisirez. Voilà. Non, mais je le ferai pour un stream un peu plus blabla. En fait, les streams où je joue, j'essaie d'éviter de pas mettre des concepts dedans parce que sinon ça coupe pour ceux qui regardent la rediff, qui regardent que le jeu, tu vois. Mais ah, oui, le masque moche, oui, ça va être une grande aventure. Hein. Je vais quand même le noter, écoute. Je pense que c'est pareil, je l'achèterai plutôt en poche parce que 3,99. 4,99, pardon. Bon, c'est un peu cher. Puis il rejoint ma grande collection de romans mythologiques. Mais on note, ça peut être une idée. Oui, c'est vrai que le silence des vaincus. Oui, c'est peut-être pour avec celui que j'ai dû le confondre. Ça m'étonne quand même, mais oui. Je devais être persuadée de l'avoir en Wish et j'ai pas vérifié. Histoire de ma vie, un peu. Hein. Lâche ton téléphone. Oh, stop les boomers. Ça va, hein. Un bad boy au grand cœur. Oui, ça va aussi. On dirait Pierre Niney sur la photo. Tiens, bah le revoilà, Royal Blood. Ah! Putain, mais lui aussi, je l'ai en Wish. Lui, c'est sûr, je l'ai en Wish. Lui, c'est sûr et certain. Bisous, Scarlett! Ouais, quand même. Hé, lui, il est pas en poche encore. C'est peut-être au moment où tu notes sur ton carnet de lecture et pas sur Livre Addict. Mais je note pas ma wishlist sur mon carnet de lecture. Donc je pense pas. Ok, peut-être lui. Mais après, ça m'embête un petit peu d'avoir. Ouais, non, quoi que. Après, il a pas une note de ouf. Donc c'est peut-être pas déconnant de l'avoir en e-book. Il a combien celui-là? 4,99. Ouais, bah, en fait, en gros, les trucs mythologiques, ils les ont mis à 4,99. Parce que les trois que j'ai mis de côté, c'est les trois mythologiques. Donc, ça, il y a un lien. L'accro shopping, putain, encore? Combien? Accro shopping, il y en a une chier. J'avais lu les premiers quand j'étais chez ma mère, je m'en rappelle.
Salut Mamie Paulette! Ravie de t'accompagner pendant ton travail. Je suis pas forcément d'accord avec la notation. T'as bien aimé, Nico? Tous les livres, là, je passe, hein, ça va. Je développe une intelligence émotionnelle. C'est bien. C'est bien. Hitler, vérité et légende. Ça va. Un très bon livre sur Hitler, c'est La part de l'autre. Voilà. Si jamais vous voulez lire, il y a une partie romance. Une partie romance, n'importe quoi. Une partie roman, une partie biographie, c'est passionnant. C'est vraiment un très très bon livre. T'apprends plein de choses et il te fait vachement réfléchir. Oui, non, pas romance. Je l'ai lu, incroyable. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de... En vrai, c'est pas mal de mettre des livres un peu... comment dire? Pas développement personnel. Bah, si, il y a ça aussi, mais informatif, tu vois. Une partie romance avec Hitler, non merci. Mais non. Roman. En fait, en gros, t'alternes entre la vérité de sa vie et si c'était passé ça s'était passé autrement, tu vois. Ses plaisirs violents est-il long à lire? C'est pas le plus rapide. C'est pas le plus rapide, mais il est vraiment cool. Mm-hmm. Tu sais, y a pas mal de trucs genre essais et tout. C'est intéressant. Bon, il y a des trucs, faut trouver le lien avec le printemps, hein, genre les derniers jours de François Mitterrand. Printemps, pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas clair, mais... Forteresse d'Hitler, pareil. Printemps, faut l'imaginer, quoi, mais... Est-il triste? Je pleure dès que ça le concerne. Qui ça, Patou? La part de l'autre? Pardon, mais comme je parle de plusieurs trucs... Ah non, c'est plaisir violent. Peut-être, je ne sais pas. Précise-moi, Patou. Ah, on l'a déjà vu, lui. Ah, il y a du Proust. Ah oui, alors j'ai le premier en poche. Je vais me les acheter en poche. Mais il y a du Proust, c'est pas mal. La part de l'autre. Non, il n'est pas... J'ai pas pleuré en lisant La part de l'autre. En fait, en gros, l'histoire commence quand il est refusé à son concours d'art, à l'école d'art. Et t'as la vraie histoire, donc, où il est refusé, il est dans la merde. Et t'as l'histoire fictive où il est accepté. Et du coup, bah, c'est super cool. Oh, ça va, ça, moi aussi, si t'as que ça comme point commun. Il aimait les chiens aussi, donc tu vois, il y a plein de gens qui doivent avoir un point commun avec lui. Hein, il respirait aussi. Tu vois, il y a des trucs, bon, ça se trouve, non. Bisous Vic! Avec ma liseuse, c'est n'importe quoi. Pour une saga, j'ai le premier tome en physique, le 2 et 3 en e-book et le 4 en physique. Oh non! Hitler est né le 20 avril, donc logique d'en avoir plein. Plein de quoi? Moi j'ai ma date de naissance en commun. Ah oui! Raison souveraine, une petite biographie. Truc de ciel. Ah, ils blaguent pas. Mais après, ils remettent. Je comprends pas pourquoi t'as deux fois les mêmes. Ça fait trois fois qu'on le voit. Au commencement, était le sexe. Ça force un peu, là. Du Proust, oui. Non, mais Proust, on l'a vu. Non, mais, hé, l'Odyssée des champignons, on l'a vu aussi. Foutez-nous la paix un moment, tu vois. Ah, Swan. Ah, on a fini. Ok. Alors, pour les titres du printemps, c'est quand même majoritairement les trucs mythologiques qui m'intéressent. Et qui sont chers. Donc, il se dit, choisis nous. Ouais, c'est ça. Ah, je comprends, Mina. Il y a plein de livres sur lui au printemps, c'est vrai. Alors, La chasse aux The Book. Alors, il y a une autre maison d'édition. Mais, ouais, je m'en doutais. Il y a aussi du bookmark. Je m'en doutais. J'avoue que ce type de couve, en général, c'est bookmark. Mais pas que, puisque ça, c'est quoi? Alter réal. Ah non, je peux pas agrandir la couve. Donc, t'as deux maisons d'édition dans celui-là. Par contre, là, ils sont tous à 2,99. Bah, le lit peut-être pas tout, alors, si ça te dérange. C'est pas... C'est peut-être pas... Te fait pas du mal, tu vois. Bon, on peut peut-être noter un petit peu, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, en soi, on en a trois. Ils sont très chers, en plus.
Donc 3 euros ça passe, je trouve. Après ça dépend de la différence avec le format physique. Les physiques sont chers chez Bookmark. Sorcière pour l'échafaud, c'est joyeux. Rejeté, c'est joyeux. Le bon, la brute et le mort-vivant. Quand âme sœur rime avec malheur. Réincarné. Ah, il y a réincarné et rejeté. Je pense que rejeté, c'est la... réincarné, c'est la suite de rejeté. Non, ça a l'air de forcément, fortement se ressembler quand même. Et récupéré. Ah, il y a la trilogie en fait. Rejeté, réincarné, récupéré. Je sais pas dans quel ordre par contre. C'est... Ok, il y en a d'autres en dessous. Ah, il y a des mecs-mecs. Ah, mais il y en a plein. Alors, sorcière pour l'échafaud. Non, j'aime pas les héroïnes qui ont mauvais caractère. Non, mais ça, c'est une trilogie. J'ai un peu la flemme. Ça se trouve, je sais même pas si c'est le tome 1. Donc, ça se trouve, je vais me spoiler. Le bon, la brute et le mort vivant. Ouais. Quand âme sœur rime avec malheur. Non. Alors là, on a des... Ah, attends, il y en a d'autres, là. Faisons le tour. Si tu vises par rejeter, c'est un peu triste, t'imagines? En plus, Bookmark, il n'y a pas de poche. Ouais, 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 pour le coup... t'as une mythologie grippe... Attends, t'as une mythologie grecque vibe printemps à recommander de Cibou, sachant que je débute dans ce genre. Le chant des déesses, tome 1, est pas mal. Et bien sûr, le chant d'Achille ou Circé de Madeleine Miller. C'est un peu la, les premiers qui sont connus dans ce genre-là. Hein. Ah oui, pas tout, tu m'étonnes. La dent longue. Trouver le moyen de tuer son père. Génial. Elle a un amant vampire. Ouais, non, mais ça va, j'en ai marre des gens qui tuent des gens. Tiens, regarde, il y a un renard, là. Des secrets bien cachés. Encore ? C'est fou, le nombre d'histoires où il faut tuer les pères. C'est fou ? Je t'ai répondu, Laura. Bisous, Samo ! Ouais, j'avoue, Samo qui va encore, il va pleurer. Il va pleuvoir, je veux dire, pas il va pleuvoir. Ouais. Enemy to lovers, pourquoi pas. Perdre son âme, c'est un peu comme se casser un ongle. Ça fait mal sur le coup, mais ça s'oublie vite. Soit. En fait, ce que j'aime bien avec les bookmarks, c'est que c'est perché. Mais ce que j'aime pas avec les bookmarks, c'est que c'est perché. Tu vois ce que je veux dire? Mise en bouche. Avoir un livre qui s'appelle Mise en bouche, c'est quand même la poêle à dents. C'est... Faut lire à petite dose. C'est ça. C'est ça. Wow, cette taille. Ouais, tu vois, c'est perché quand même. Hein. C'est... Rumpelstiltskin. C'est quoi tous ces trucs là? Il y a aussi Blanche-Neige et le miroir, Scholar's Fate. C'est pas les mêmes auteurs. C'est quoi? C'est une saga? Oh, ça a l'air chelou aussi ça. C'est la catégorie chelou. Hein. C'est chelou. Cette façon qu'elle a de te regarder, de t'appeler bébé. Tu diras cet aspect que je vais la taper, c'est chelou. Je vous abandonne un peu, c'est l'heure de tourner la pelouse. Ah oh non, Sophie, non, comment allons-nous vivre sans toi? Bonne tonte. C'est la catégorie... la chasse aux The Book. Donc c'est pas vraiment une catégorie. Non, colonie spatiale. Je suis pas plus bas mais que ça. Je suis pas plus bas mais que ça. Je les garde ouverts au cas où si j'en mets une. 10 thrillers à moins 50%. Mais oui, mais moi je... Ah bon, du coup, il n'y en a que 10, donc je peux vous les montrer rapidement. Voilà.
Ils sont pas chers. Putain, c'est vrai que lui, 1,49€, mais j'aime toujours pas les thrillers. Stephen King. Ah, Stephen King, j'ai envie d'y croire. Vous n'allez pas réussir, j'en ai conscience. Courage à vous. Alors, Stephen... Il n'y a que ça ? Oh, je pensais qu'il y en aurait plein. Oui, bah du coup, non, hein. Ouais, c'est rapide, hein. Que 5, ouais. C'est la piquette, hein. L'Institut, il doit être cool. Bah, en plus, alors, pour le coup, c'est 5 que j'ai pas lu. Mais, bon, je cours pas après Stephen King plus que ça non plus, hein. Il nous reste 2 catégories. Tous les espoirs sont encore permis. D'accord. Ah, Lily Style, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Il me reste donc ça et ça. Bon, si je craquerais, hein. Alors, là, c'est 70 romans pour voyager à travers le monde. Eh, c'est peut-être un peu plus... tu vois, hein. L'Institut est super bien. Ah, ça m'étonne pas. C'est King, en même temps, mance. C'est mignon, ton pseudo. J'ai tellement pas envie de lire de Stephen King, je sens que je vais bader fort. Ça dépend lesquels. En vrai, en thriller un peu fun, il y a Dolores Claiborne. 4 pinces, Dolores, 4. Ouais, mais c'est pas des trucs qui m'attirent. J'ai pas le... Ça, je connais. Ça, je connais. Waouh, elle est bien enceinte, là. Peut-être que je vais prendre un petit roman. Ah, 7,49€. Ah oui, putain, ça vaut le prix du poche, wesh. J'allais dire peut-être un petit roman du terroir, tu vois, mais... Dolores Claiborne, justement, il m'avait mis mal. Le passage avec la fille, j'ai pleuré fort. Ah ! Bon, bah, si Dolores Claiborne t'a mis mal, lis pas les autres. Hein. C'est... Oh, t'as Marche ou Crève, qui est un peu différent. Mais La République des Pirates, qu'est-ce que ça donne, ça ? Ça fait un peu... Non. Ça a l'air intéressant, mais non. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on y va. Suzanne Fletcher, ça me dit un truc. Pourquoi ça me dit un truc, Suzanne Fletcher? Oui, Mina, bah, il est cool. Hein. J'ai lu Misery, j'étais bien. Ah ouais, mais c'était le truc de psychopathe. C'est celle qui a écrit Un bûcher sous la neige. Ah! Je suis un peu Est-ce qu'il y aurait pas un truc qui se passe? Une légende raconte qu'il y a très longtemps, un homme pleurant son amour perdu entendit sur une plage de l'île de Parla une voix portée par le vent, ce mot soufflé par la mer, espère. Il se tourna alors vers le large et vit une silhouette flotter dans la mer déchaînée, puis disparaître sous l'eau. Le corps, celui d'un homme, se terminait par une queue de poisson. Ce jour-là, sur cette même rive, le jeune Sam Lovergrove découvre le corps d'un inconnu. Il s'approche, terrorisé, croyant faire face à un cadavre, puis recule en criant, car l'homme n'est pas mort. Sur l'île, cette apparition bouleverse chacun, tout comme les cheveux noirs et la barbe de cet inconnu qui réveille les souvenirs d'un disparu. Tout à coup, les légendes semblent réelles. Les hommes semblent réécrire l'histoire de l'île, ramasser ses mythes sur le rivage, leurs espoirs bouillonnant dans les flots comme autant de reflets d'argent dans le vent. Qu'est-ce qu'elle écrit bien ? Rien que le résumé est ouf. Après, en fait, comme j'ai adoré Un bûcher sous la neige, c'est un de mes romans préférés, je suis un peu tentée de les avoir en vrai, tu vois. Mais je vais quand même le noter. On va de toute façon le noter en Wish. Tu vois, il existe en poche aussi. Hein. Alors, j'avais adoré Un bûcher sous la neige et j'attendais donc beaucoup de ce roman. Passer le temps d'adaptation à la narration plutôt saccadée, mais qui participe à l'ambiance, ce fut un réel plaisir. J'ai adoré l'atmosphère de la petite île de Parla et de ses habitants, tous très humains. La seule critique que je peux formuler est peut-être cette omniprésence du pathos, lecture conseillée. Roman coup de cœur, onirique, poétique, sur la douleur du deuil, l'amour et les belles légendes auxquelles on a envie de croire. Après un coup de cœur pour Un bûcher sous la neige, quelle joie de recevoir ce livre dans ma box de décembre, Exploratologie. Ce livre m'a marqué, sa mélancolie m'a accompagné tout mon dernier jour de lecture. J'ai aimé les personnages, c'est-il pas tout à fait isolé? C'est un roman sur la perte, le deuil et les histoires qui peuvent aider ceux qui restent à continuer. T'entends?
Coucou les choux, coucou Thibaut, fan inconditionné des polars, j'aimerais découvrir la fantasy. Que me conseillez-vous comme livre pour découvrir comme il se doit ce genre? Fantasy, c'est large, hein. Ça dépend de ce que tu cherches. Il y a des thrillers fantastiques. Alors, c'est pas de la fantasy, mais t'as quand même un soupçon de magie dedans. Si t'aimes... Ah non, mais polar. T'as Dark... Ah, bon, Dark Academia, ça peut être pas mal comme passerelle. Mais... Ouais, les salauds gentilhommes en fantasy adulte, clairement. Mais ça dépend quel âge elle a aussi, Off Lady, tu vois. On va le noter. On va clairement le noter. Ah, il faut Harvey Lanes, moi je l'adore. Ça a été vraiment une très très bonne découverte. Il est aussi à 4,99. Ah ouais, mais en fait, je collectionne les chers, moi aussi. J'ai pas pris copier, mince. Hop. Hop. J'ai 25 ans. Oh oui, tu es une adulte. Les salauds gentilhommes, c'est une très très bonne saga de fantasy, ouais. Ah, c'est pas vraiment fantasy comme on l'entend. Ah si, si. Ce qui est pas du tout ce qui me tente, j'en ai jamais lu. T'as déjà essayé à Cotard, un palais d'épines et de roses? Après celui-là est cher, il existe en poche, donc c'est peut-être pas le plus smart. Bah le problème c'est que c'est un peu tout ce que j'ai sélectionné, quoi. C'est ça qui est compliqué ce mois-ci. Donc ça on a fini. Ah celui-là j'ai pas regardé. Mélange de romance, elle dit héritière d'Alexandre Dumas. C'est un mélange de roman et d'histoire. Mais synopsis me bame pas plus que ça. Je vais voir un peu ce qu'elle fait, par contre, ça m'intrigue, ce truc de mélange de roman et d'histoire. Non, mais j'ai Crescent City dans ma bibli. De toute façon, il faut lire à Cotard avant de lire Crescent City. Ah, oh, c'est cool, tacos. Waouh, ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah bah j'ai déjà un wish. D'accord. Ah ouais, elle est prolixe, hein. C'est vrai, Priya, c'est pas mal ça aussi. Fouf. Oh, elle est morte en 95 ans, en 2016. Bichette. Après, elle a bien vécu, 95 ans, c'est un bel âge. C'est tout ce que je nous souhaite, hein. Non, quand même. Mais intéressant. Il nous reste offre flash, et après, on aura tout vu, hein. C'est la dernière chance, et il n'y a que ça. Ouais, bah non, hein. ans dans ton cottage. Merveilleux. En m'endormant devant ma cheminée. Avec un doux sourire aux lèvres. Ah bah si je peux finir comme ça, je serais bien heureuse. Pas grand chose today. Bah il y avait des trucs, c'est juste que c'est pas mes catégories, quoi. C'est entre thriller et contemporain, c'est vraiment mes deux trucs qui sont pas ma zone à moi, donc... Il n'y a que 4 titres, mais ils sont tous à 5 balles. Donc, bah, après, je peux en prendre 3, en fait. Dark Academia, ce que tu peux lire... Dark Academia, c'est un genre, Lady. Tu peux lire If You Were Villains. Qui est intéressant, un mélange de thriller et de... Et de fantastique. En soi, je peux en prendre 3, hein. C'est pas dégueu, hein. Puis c'est plus rapide à noter. Et pour le coup, c'est 4 qui me tentent fort. Donc, Ah ouais, ouais, Chine, ouais. Maintenant, lequel je vire, en fait. C'est ça, Prends les 4, en vrai. Non, je peux pas. C'est 3, c'est 15 euros maximum. E-book... du mois. Faut voir le prix du poche. Ça doit se valoir, hein. Franchement,
Attends. Je pense en termes de prix, si tu veux te prendre le Susan Fletcher. Mais en fait, j'aimerais tous les avoir en physique. À part peut-être Piranèse. Mais... Ah, Laura. Attends, lui, il était à combien? Merci Arborescence pour le follow. Lui, il est... Ouais, de toute façon, un poche, c'est 8 balles. Hein. Ils vont tous être à des prix... relativement similaires, à mon avis. Alors, l'Odyssée, il a pas de super notes. Après, ils ont tous pas des notes de ouf, en fait. Hein. Disons que lui, il y a des chances que je le kiffe fort. Parce que Susan Fletcher, j'aime vraiment sa plume. Les trois autres, c'est du flou, quoi. Merci pour le follow, Audrey. Merci beaucoup. Bienvenue à toi également. Ouais, c'est ça. Comme je connais Susan Fletcher, je connais son travail. Enfin, j'ai déjà lu un de ses livres. C'est un de mes livres préférés. Donc, fatalement, j'ai envie d'y croire. Les trois autres, c'est des valeurs inconnues, tu vois. Mais après, les trois autres, c'est de la mythologie. Et j'ai les livres en IRL pour beaucoup. Donc, J'avais oublié le euro. Prends peut-être les trois qui sont plus flous, comme ça, Susan Fletcher, tu le prends en physique. Ouais, je pense que je vais faire ça, en vrai. C'est vrai, Mina, t'as raison, t'as raison. Allez, on part là-dessus. J'enlève Susan Fletcher. Et du coup, je garde Piranèse de Susan Clarke, Les Invaincus de Nathalie Haynes et L'Odyssée de Marie-Lou Oliva. Ça me semble bien. C'est beau de pouvoir t'aider dans tes réflexions. Ah bah que serais-je sans vous, hein? Une pauvre R. Hop, je peux virer Discord, c'est noté. Non, non, IRL, Shein. Et en plus, ouais, pour le coup, au centime près, hein. Attends. J'ai des notifs de partout, ça me stresse. Ah, faut que je les enlève. Ça fait 14,97. Vraiment, on se sentime prêt, là. Hein, sans le vouloir, mais... Ok, très bien. Donc ça, je vire. De toute façon, il me hypait pas plus que ça. Hein. Très cool, au final. C'est parfait. On fait une petite pause pipi. Et je vous retrouve pour la seconde partie du stream. Vous allez comprendre. Attention, tout est prêt, tout est possible. On se retrouve tout de suite. À toutes.
Et je reviens quand ça veut. Pourquoi ça... Ah oui, parce que je clique mal. Voilà. Je me suis pris des petits croutons avec du tzatziki. C'était bon. J'ai toujours un petit creux vers 11h. Les choux qui s'amusent avec l'écran d'attente. Sachez que vous pouvez également le faire sur l'écran de d'outro et de d'intro. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, seconde partie de ce stream. Comment dire? Certains d'entre vous le savent peut-être. Je me suis inscrite sur Letterboxd il y a peu pour écrire des reviews en anglais, partager tout ça. Et je me suis baladée hier sur l'accueil, etc. Et je suis tombée sur... Je me suis dit, tiens, je vais cliquer sur un des top machin... Attends, Priya, attends. Une des top meufs, tu vois, donc j'ai follow Maria parce qu'elle m'a fait rire déjà avec Liliane Murphy partout et elle écrit des commentaires rigolos. Donc je regarde son profil, je regarde ses commentaires, je rigole, voilà, l'ambiance est bonne. Et là je monte et je vois ça. Goodreads.com. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Ça me dit quelque chose. Je clique dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un autre site! Alors, j'ai pas encore créé de compte. J'ai pas... Non, mais pas encore. Mais... Je me suis dit qu'on pouvait regarder ensemble, tu vois. Après, j'ai demandé à Néné, qui a déjà... Qui est une de mes modos, qui a déjà... qui a déjà un compte, et je lui ai demandé s'il y avait un espace citation, parce que moi, c'est ça qui m'intéresserait beaucoup. Elle m'a dit qu'il n'y en avait pas. Non, je ne l'ai pas encore créé. Non, non, non. Donc, ça m'enlève un intérêt. Parce que j'avoue qu'en fait, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir noter les passages de citation des livres. Et ça, parce que ça, il n'y a pas sur Livre Addict. Espace citation, il y a sur Babelio. Ouais, c'est ce que je me suis dit après, tu vois. Comme Booknode aussi. Mais Booknode, je n'aime pas la... Comment c'est foutu. J'adore ce site. C'est vrai, d'ici. Alors, je me suis dit, on va quand même regarder Goodreads pour comprendre, parce que j'ai rien regardé, je me suis pas spoilé. J'ai juste demandé ça à Néné hier soir. Il faut que je vous montre l'échange qu'on a eu. Enfin, que je vous le lise, parce que vous montrez, on a reparlé après, donc ça va être plus compliqué. J'ai dit... Attends. On a beaucoup parlé. Néné, j'ai une question existentielle. Oui. Sur Goodreads, MDR, emoji qui pleure, entre parenthèses, oui, je suis incorrigible. Néné, MDR, en majuscule, à 23h. À 22h16, t'es pas loin. Je fais, est-ce qu'on peut noter les citations? Elle a mis, non, je ne crois pas. J'ai mis, emoji qui pleure, emoji qui pleure, emoji qui pleure. Ah! Attends, je vais vérifier. Je tablais là-dessus de ouf. Nope, y'a pas. Pingouin qui pleure, enfin poussin qui pleure, damnit, elle me met un pas de patte. Vais-je maintenir la tentation de signe P? Elle me dit, mais tu peux mettre un objectif de lecture et voir où t'en es. Genre je suis à 22% moi, et ça me dit que si je lis 1,5 livre par semaine, je peux le faire. Emoji qui pleure de ma part, c'est beau mais, nurf, mes citations. Bah sinon, je vais pas te mentir, c'est grosso modo pareil que Livre Addict mais en anglais quoi, NDR. Mais du coup, c'est très cool quand même. Moi, j'aimerais un encart citation. Bonhomme pas content. On peut pas leur écrire qu'ils ajoutent ça d'ici demain, MDR. Fait, tu peux tester. Alors oui, moi et mes quelques milliers d'abonnés, on voudra ça s'il vous plaît. Ah, et pour demain, merci. Et j'ai mis bonhomme qui rigole. Voilà. C'est... Voilà. Mais du coup... Il n'y a pas les citations. C'est la particularité de... Ben oui, c'est ça. Tu vois? Donc là, ils ont répondu, ils ont dit bien sûr avec plaisir. En fait, non, on n'a pas envoyé de message. Non, j'ai pas envoyé de message. Je suis pas à ce point arrogante quand même. Non, non, non.
Il y a des citations sur Goodreads. Comment? Comment ça? Attends, Manipolette, attends. Comment ça? C'est-à-dire, Manipolette. Parce que peut-être que Néné ne connaît pas tout. Peut-être que il y a des onglets cachés. Tout ça, j'allais dire, on va quand même regarder le site de toute façon pour voir s'il est intéressant. Parce que Goodreads, c'est un peu le truc où pareil, j'en entends parler H24, tu vois, sur les TikTok, les machins et tout, tu vois. Ah mais là, Manipolette, on est suspendu à tes lèvres, hein. Tu vas sur la page du bouquin, par exemple, Avatar. Vas-y, attends. Avatar. Akotar, tu veux dire? Akotar. A Court of Thorns and Roses. Ah oui, mais alors attends. Waouh, il y a beaucoup de choses. Ah, si j'écris en français, il trouve. Un palais d'épines et de roses. Oh, il connaît. C'est bien. C'est très bien, ça. Ok, j'y suis. Oui, je sais, je suis pas signopée. Et tu descends tout en bas de la page, quotes. Ok, rating et review. Community et review. Ok, ça c'est les commentaires. Oh oui, il y a beaucoup de... Oui. Waouh, attends, je suis allée trop bas. Oh my god, I want to cry, this was so bad, and that cringy Tamlin made me want to double cry. Oh, ça, c'est vrai que le nom est pas ouf. Hein. Ok, il y a... Oh! Mais oui, il y a des citations. Mais attends, ça change tout. Attends. Mais il y a totalement des citations, en fait! Je veux pas que je fasse un avocat néné. Attends, allez. Néné, il y a des citations sur Goodreads. Tu savais pas, il y avait des citations, mais il y a des citations. On peut mettre des quotes. Du coup, je vais pouvoir signoper. Néné, c'est trop bien. Voilà, fallait qu'elle comprenne mon enthousiasme. Voilà, c'est... Oh, mais c'est trop cool. Ah. Alors après, tout est en anglais. Parce que moi, je vais les écrire en français, mes citations. Hein. Est-ce que c'est grave si j'écris en français? Néné, on sûr. Il y en a même 1000, les citations. Non, mais il y en a forcément qui n'ont pas écrit en anglais. Genre. Tu seras The French Girl. C'est pas grave, mais c'est chelou, non? Vas-y, attends, je vais page 9. Vraiment, tout le monde écrit que en anglais? Ah, mais je vais pas écrire tous mes trucs en anglais. Oh, pour le coup, les citations, c'est-à-dire qu'il faudrait que je traduise les livres. Tu sous-estimes la commu anglophone. Rien ne t'empêche de les écrire en VF. Bah ouais. Puis au moins, comme ça, on me repérera vite. Bah, c'est le site de référence pour les anglais. C'est peut-être traduit par le site. Et ta trad sera pas bonne. Oui, bah oui. Et si je regarde, est-ce qu'on a un livre français là? Donnez-moi un livre qui est sorti en français. Qui c'est qui a écrit en français? Ah, j'ai que du... Ah mais tout, forcément tout... Qui est-tu Lasca? C'est... Oui, Les Misérables. Ah, ça c'est pas con ça. Ils sont pas cons. Les Misérables by Victor Hugo. Voilà. Dover Thrift Edition. Waouh. Eh ben au moins ils ont lu Les Misérables, les Anglais, hein, c'est bien. What do you think? Many things. Par contre, faut vraiment scroller tout en bas pour les quotes. Y'a pas moyen de... 2555 quotes. Ouais, non, c'est en anglais, hein. Plus d'anglais qu'on est misérable que les français, oui. Qu'est-ce qu'ils pensent d'Enjolras? Attends, on va regarder. T'auras des avis en anglais. Bah, c'est... En fait, en vrai, moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, là, je vais pas les écrire en anglais, mes avis. En fait, je veux surtout... En fait, je veux me servir d'un site pour les citations. Parce que... tout simplement, c'est plus simple d'avoir... Oh là, je me suis perdue. D'avoir les citations aussi sur un site internet, je trouve. Il y a BookNode aussi, c'est des extraits qu'il y a, les gens mettent des citations. Alors, je sais que sur Babelio et sur BookNode, il y a aussi des citations.
Bookton ne me plaît pas. Ton carnet ne te suffit pas. Alors, en fait, le problème, c'est... Alors, si. Le truc, c'est que c'est pour le partage avec vous que le carnet, il manque. Merci, Tévi, pour ton reprime. Merci beaucoup. Bah, d'ailleurs, tu peux choisir un chiffre entre 1 et 2, si tu veux. C'est pas le livre, là, c'est la comédie musicale. Ah oui, t'as raison, mince. En fait, ce qui me manque dans... ah voilà, il est là. Ce qui me manque dans mes carnets, c'est que je peux pas les partager avec vous, mes citations. N'est-ce pas, Mina? C'est le destin. Alors, c'est pour ça que je me disais que sur un site... Pour un site de livres en anglais, je trouve ce story grave intéressant au niveau des reviews et des stats de lecture. Pourquoi ne pas utiliser Babelio? On peut aussi... En fait, c'est pour ça que j'ai pas défini mon idée. Parce que Babelio, en plus, j'ai déjà un compte. Ouais, j'ai déjà un compte dessus. Hop. Tu faisais pas des vidéos types pour les partager, il n'y aura plus de vidéos citations du coup. Alors j'ai fait une fois une vidéo où je tire au sort une citation par Sinastro. Mais c'est pas déconnant, enfin ça empêche pas que je le refasse. C'est juste que bah de toute façon c'est un peu comme là, tu sais, quand je tire un truc. C'est... Je lis pas tout, tu vois. Mina. Non, parce que ce site-là, je l'ai créé il y a perpète, je sais pas si c'est marqué quand. En 2020. Et vraiment, je l'ai créé, j'ai rien fait dessus. Hein. Donc... C'est... Mais ah bah, j'avais rentré mes livres de l'époque. Ah oh oui, oh flemme. Parce qu'ils sont plus adaptés du coup. Je m'étais chauffée à l'époque, hein. Je m'étais chauffée, je m'étais fait le truc. J'avais rentré toute ma bibli de l'époque. Mais elle est plus du tout à jour. On peut pas la vider d'un coup. Genre, je veux tout virer. C'est moi où le logo de Babelio dirait une crotte dorée de loin. Oh putain, c'est vrai. Je vois ce que vous voyez, effectivement. C'est vrai. C'est... Du thé pour les fantômes, la côte est en français. Ouais, non mais je me doute que tu peux écrire comme tu veux, en vrai. Rien n'empêche que t'écrives en français. Ah, peut-être pour lui aussi. Ouais, toi sur Goodreads, là t'as du français. Oui, donc t'as des gens qui écrivent leur truc en français, hein. C'est sûr que depuis 2020, t'en as eu des livres, des mangas et des BD. Ouais, ouais, ouais. Le petit carré à gauche pour tout supprimer. Ah, mais ça supprime pas tout. Ah, là! Alors, oui. Là, j'ai tout sélectionné. Mais... à mon humble avis, personne ne va te mettre de couteau sous la gorge pour te dire de ne pas écrire en FR. Je pense aussi, hein. Mais... Sophie me suit sur Babelio. En fait, je sais pas ce qui est le plus smart. Oui, tu vois, t'as des commentaires français et anglais. Bah là, forcément, ça, c'est très français, pour le coup. Hein. Je sais pas sûr qu'il a été exporté encore à l'international, Michael Brun-Arnaud, beaucoup. Donc forcément, là, il va y avoir plus des commentaires français. En fait, je sais pas sur quoi c'est mieux de partir. Pour partir sur les trucs en français. Pour les citations, je veux dire. Si là, je fais ça, ça supprime tout? Ou juste lui? Non, ça m'a tout supprimé. Ça m'a juste supprimé lui. Parce que là, j'ai tout, mais c'est très sympa de faire ça. Mais qu'est-ce que je fais? C'est, oui, je peux tout sélectionner. C'est merveilleux, mais... Il n'y a pas le bouton... supprimer. Ah. Ah ouais, mais ça va être quand même très très long. Hein. Ça va être quand même... Euh... 634, et là je passe à combien? 619. Ah oui, c'est des petites pages. Hein.
Disons que sur Goodreads, ce sera vraiment centré sur les quotes, sauf si tu fais des reviews en anglais dessus. Babelio, tu peux faire les deux aussi. Disons juste que le public sera entièrement français. Sur un site où tout le monde écrit en anglais, je sais pas si c'est pertinent d'écrire en français. Disons que si tu veux aussi avoir des avis anglais internationaux, ça peut être sympa d'être sur un site anglais, surtout qu'il fait aussi les citations, alors pour les avis à faire, t'as déjà Livre Addict. Je pense que ce serait plus smart Goodreads pour les livres que tu lis ou liras en anglais et les citations, non? Je sais pas. Ah non, je change pas de site principal! Goodreads, après, c'est comme Letterboxd, c'est une grosse commu. Anglophone, forcément, en fait, niveau partage, c'est plus intéressant. Re-Sandrine! En fait, le truc, c'est qu'en site français, j'ai déjà Livre Addict. L'emmerdant, c'est qu'il fait pas... il fait pas les citations, quoi. Donc, en fait, je me dis... Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, je me suis lancée, mais... en fait, je me dis, quitte à refaire un truc et découvrir... Puisque tu mettras tes avis et tes citations à faire, je ne pense pas que ce soit pertinent pour le partage, mais sur ce point-là, tu as déjà Livre Addict. Oui. Goodreads, après, c'est comme Letterboxd, une grosse commu... Oui, ça, j'avais vu. Coucou Ingrid! En fait, c'est ça, le truc. C'est que... de toute façon, ma base de données littéraires, ça reste Livre Addict. Je change pas ça. Mais j'aimerais bien, pour le coup, noter toutes les citations que j'ai notées dans mes carnets. Pour avoir une trace en ligne, en fait, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Et je baserai l'autre site juste pour ça. Je pense que Babelio, c'est cool du coup, non? Car tu peux mettre tes citations et CFR. Il y a le challenge annuel sur Goodreads. Comment... Après, Goodreads, on connaît pas pour le coup. Babelio, on connaît. On peut regarder un peu Goodreads, comment c'est foutu aussi. Hein. Faut voir en fait ce que le site il a de... Attends, je retourne chez Maria. On a eu Jay, on a Maria. Il n'y a pas de citation, je crois pas. Mamie Paulette, tu peux... Perso, je connais pas Babelio. Bah, je connais un peu. Moi, du coup, vu que je m'étais créé un compte avant, il fait le taf, hein. Il fait clairement le taf, Babelio, hein. Dans ce cas, Babelio, au moins, c'est français. Ou Booknote sort beaucoup aussi pour les citations. Ouais, mais Booknote, il y a moins de trucs, je trouve. Babelio, il doit y avoir plus de monde. Pour être sûr et bien choisir, c'est sûr, il faut bien regarder comment est foutu Goodreads. C'est ça. Parce que là, du coup, sur le profil de Maria, mais après, moi, je suis pas signe P, donc je peux pas voir tous les détails non plus. Tu vois, quand t'as pas de compte, tu peux pas voir... tu peux pas voir certains détails. Donc là, il y a un challenge de lecture sur l'année, ça, c'est ce que Néné me disait. Là, c'est les livres qu'elle a lus en 2023. Ok, donc ça, c'est son challenge. C'est sympa, ça. C'est un peu le truc d'anniversaire, tu sais, comme on a sur Spotify ou les trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est ça, le truc annuel, en mode, il y a tel truc que t'as lu, tel truc que t'as mieux noté, etc. Stylé. Alors, donc, du coup, bon, sans avoir de compte. Ce que j'aime bien sur Goodreads aussi, c'est que tu peux commenter ton avancée, tu peux créer différentes étagères avec tes livres, franchement, c'est cool. Ok. Parce que ceux qui utilisent, n'hésitez pas à donner vos avis. Hein. Le choix sera donc entre Babelio et Goodreads. Ouais. Donc là, t'as ta lecture en cours, classique. Ça, c'est comme nous. Enfin, comme Livre Addict, hein, pas de problème. Ah oui, tu peux faire des étagères. Ah, mais j'ai pas le détail de... Non, bah oui, non, comme je suis pas inscrite, tu vois pas grand-chose, en fait. Tu peux faire des étagères, apparemment. Pour ranger, c'est ce que tu disais. Tu peux... Ah, voilà, tu peux créer différentes étagères avec tes livres. Ça peut être pas mal. Tu peux... Comment ça, des étagères? Bah, en gros, tu peux ranger tes livres comme des listes, tu vois. Pour avoir testé les deux, je préfère Goodreads. Ok, Mamie Paulette, tu sais pourquoi? Tu peux dire pourquoi? Perso, j'utilise Goodreads en plus de Livre Addict et j'aime beaucoup surtout le challenge à l'année avec le récap comme t'as montré. Ok. Donc là, les récents updates de Maria. Donc ça, c'est un fil d'actu. Donc on voit ce qu'elle veut lire. Ok, donc ça, en gros, c'est les derniers trucs qu'elle a actualisés. Donc ça, elle a mis ça dans sa wishlist. Elle a avancé sa lecture. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le fil d'actualité. Sur le côté, on a les amis de Maria. Ceux qui la suivent. Les votes... Qu'est-ce que c'est ?
Ah, c'est leur top à eux, les meilleurs livres de tous les temps selon Goodreads. Ça va et toi, Astéria? Beaucoup plus de fonctionnalités, le bilan annuel est cool, le challenge annuel aussi. Ok, remerveilleux. Ici, on a ses genres favoris. Et on peut voir les sondages où elle a voté et les listes qu'elle a aimées. Très bien. J'ai l'impression qu'en termes de listes, on l'a aussi sur Libre Addict les listes, hein. Mais après, j'ai l'impression que les sites anglais au niveau des listes, ils se lâchent, hein. Et là, ah, t'as les citations de Maria. Bah, en fait, c'est pour ça que j'avais un doute, parce que quand j'étais allée sur la page de Maria, j'avais vu ça. Mais je m'étais dit, comme Néné m'avait dit qu'on ne pouvait pas rentrer de citations, je m'étais dit, à tout moment, c'est juste, tu peux en mettre 4-5, tu sais, pour te présenter. Je m'étais dit, c'est pas forcément. C'était pas forcément référencé, tu vois. Purée, je viens juste de retrouver, ça a planté depuis la pause pipi, je me suis pris un VPN, sauf que je sais pas m'en servir, je suis intelligente, n'est-ce pas? Du coup, je fais que perdre la connexion. Oh mais non, on est sur Goodreads là, Jachana. Bon, après, ça, c'est parce qu'elle est très popue, n'est-ce pas? Ah, et c'est ça, voilà. Là, c'est les étagères que tu peux faire. En gros, tu peux faire tes propres listes. Tout simplement. Là, c'est ses livres à lire, ses livres qu'elle est en train de lire et ses livres lus. Tu peux aussi, je suppose, faire des titres alambiqués. Tu as aussi pas mal de prix, comme le Goodreads Choice Awards. Les listes donnent plein d'idées de lecture sur des thèmes précis, exemple Dark Academy, etc. Alors, en vrai, ce qui peut être intéressant, parce qu'en gros, Babelio, le point positif de Babelio. Déjà, j'ai déjà un compte, donc c'est rapide. J'aurais pas besoin de galérer 500 ans à créer quelque chose. Et tout est en français. Point négatif. Il y a les citations. Donc, par exemple, si je vais sur le site de. Sur la page de. Oh putain, c'est quoi ces livres? Tiens, Le Monde Englouti. T'as. Les notes, les critiques, les citations. Ok. À côté. Alors, tiens, on va prendre cet exemple. Si je fais Le Monde Englouti. Là, après, il y a. Bon, c'est pas un livre fort connu, hein. 28 critiques, 22 citations. Si je vais sur Goodreads, ça peut être intéressant aussi de voir la base, tu vois, de commu. Parce que 28 critiques, 22 citations, c'est pas énorme, tu vois. Là, on a quoi? Putain, rien à voir. 18 000 critiques. Non, 18 000 votes, 1 400 critiques. En termes de, tu vois, de moyenne de lecteur, Goodreads, effectivement, n'a rien à voir. Surtout que lui, on n'est pas sur un truc, c'est pas le buzz de l'année, hein, Le Monde Englouti. Hein. C'est un petit roman SF qui n'est pas non plus, voilà quoi. Hein, bah. Donc ok, donc en termes de communauté, Goodreads est clairement, il y a du monde, il y a du monde. Donc c'est intéressant de vous comparer. Le truc de Goodreads qui peut être intéressant, c'est pour connaître éventuellement plus de romans à l'international. Bon, je suppose beaucoup anglais. Je sais pas si c'est full américain ou s'il y a d'autres nationalités qui se baladent également. Mais ça peut être intéressant pour découvrir des livres qui sont pas encore sortis chez nous. Ou alors, effectivement, comme tu dis, Mamie Paulette, pour avoir des avis avant que les traductions arrivent chez nous. J'aime bien l'idée. Maintenant, moi, je compte écrire en français. Donc, là, par exemple, t'as quoi, The Big Book of Spring? Tu vois, là, t'as plein de trucs. Ah oui, vraiment plein. Après, t'as les commentaires, t'as les commentaires. Comme sur Livre Addict, tu peux voir sur Goodreads les différentes éditions à l'international des livres. Tiens, attends, je vais en prendre un. Bah, attends, lui, par exemple. Comment tu vois les différentes éditions? Je sais pas si c'est parce que je suis habituée à Livre Addict, mais je trouve moins esthétique. Non, mais je comprends, je comprends. Sinon, tu fais les deux et tu vois celle vers laquelle tu retournes le plus. C'est aussi possible. L'espace commentaire n'est pas limité en nombre de caractères comme Livre Addict. Ok.
Book Details et édition. Ah, ici? Ah, oui! Show Hall sans édition. Ah, oui! D'accord! Donc ça, c'est le monde englouti, hein. Il y a 4 pages d'édition. Ah, oui! Ah, oui! Ah oui, ah oui, 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 oui. Bah, le côté international, hein, forcément. Hein. Forcément, parce que là, j'ai vu une couve en italien, par exemple, tu vois. C'est... Oui, fatalement. C'est un tout petit peu plus que sur Livradic. Oui, ça, j'avoue, attends. Hop, le monde englouti. Là, ils ont toutes les nationalités. Ouais, tu me donnes. C'est lui. Oui, c'est plus sommaire, hein, c'est... Il y en a 5. Mais il est très bien, notre petit livre addict. Il est très bien. Ouais, après, il n'y a pas toutes les éditions en anglais, Wattel. Hein. Il y en a une, parce que sans doute une personne l'a ajouté. Hein. On peut voir qui l'a lu, celui-là. Non, on peut pas voir. C'est parce qu'on peut rajouter les éditions qu'on veut. Donc, s'il y a un pélo qui rajoute une édition, elle est là, hein, donc... C'est nous, en fait, c'est nous qui faisons fructifier la base de données, n'est-ce pas? Pour enregistrer le livre sur ton appli, si t'es sur téléphone, car il y a l'appli, tu peux scanner la couve ou le code barre. Ah, ça c'est pas... Babelio aussi, non? Je sais plus, Babelio, s'ils ont ça. Je me tâte. J'avoue que pour le coup, je suis moins fan de la présentation de Babelio de mon côté. Mais je continue à nettoyer. Et on a baissé, on était à 600 et quelques. Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps, ça. Hop. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. Mais du coup, j'hésite. Salut, Loulou. Oui, quoi, what? Pour Babelio ou... Enfin, pour le scannage? C'est vrai qu'en scannant, ça va beaucoup plus vite de rentrer un truc sur une bibli, hein. Il y a une appli, ça, c'est cool. Il y a une appli Babelio aussi, je crois. Ah, de toute façon, moi, j'avoue que je vise l'appli, hein. Parce que pour le coup, l'idée, c'est que justement, quand je suis... Alors ça aussi, c'est pareil quand je suis sur mon téléphone. Souvent, quand je lis un livre, les très grosses citations, je les mets pas dans mon carnet parce que ça me prendrait parfois plusieurs pages. J'aurais beaucoup moins de scrupules à les noter sur Internet. Merci pour le follow, Awa. Babelio, ça fait un peu site par revue depuis quelques années. Ouais, on est d'accord, hein. Sur Booknode, Adici, pas Booknode, pardon, Goodreads. Le truc que je n'aime pas avec Livradict, c'est que parfois tu mets le bon titre mais il te dit non, je connais pas. Ouais, ça c'est vrai que là-dessus, Livradict, ils ont un moteur de recherche très 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 précis, hein, pour ne pas dire trop. Clairement. Je continue mon petit ménage. Hein. Parce que je me dis Goodreads... En vrai, j'ai l'impression, quand on en parle, Goodreads a quand même un peu plus de points. Qu'en pensez-vous? Livradict, c'est des problèmes, mais ce que j'aime bien, c'est que la commune est très féminine et bienveillante. Ah, mais Livradict... Ah non, mais je change pas Livradict, hein! Je quitte pas Livradict! Là, en fait, ce que je cherche, c'est un site pour partager mes citations. Donc, après, il y a une appli Goodreads. Ouais. Et ce que me disait, justement... Je sais plus qui, pardon, mais on peut scanner directement les livres. Et apparemment, l'appli est assez fonctionnelle. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Donc non, rassurez-vous, je ne quitte pas Livradict. Hein. Je me rappelle la dernière fois pour mes devoirs lecture où t'avais mis mon pseudo, le bon, il avait juste pas trouvé. Ouais, non, mais ça, quand il veut pas. Oh oui, mais Rosen Maiden. Je les ai encore, pour le coup, pas bouger. Je trouve pas si l'utilisation est de faire des citations, mais si le but est d'avoir un site tout court, guider de vraies activités. J'ai pas compris ta phrase, Alice. Je suis désolée. Tu trouves pas quoi? Parce que, de base, mon envie, c'est les citations. Maintenant, le reste pimpe, hein. Mais disons que le but premier que je cherche, c'est, il faut une appli. Parce que Livradict, de toute façon, il n'y a pas l'option comment ça s'appelle? De citations. Et de toute façon, il prend 1000 ans à s'afficher. Donc même s'il y avait les citations, ça me saoulerait vite, hein. Bah en vrai tu peux cumuler les deux, au moins tu peux découvrir Goodreads et ses options plus les citations.
Je me dis, c'est pas mal. Eh, on a bien baissé, on est passé à 214. Ouais, parce que même si je fais pas, j'utilise pas Babelio, je me dis, au moins c'est rangé. Ouais, j'avais, je me rappelle, Babelio, je m'étais chauffée. Ah, après, ça peut être aussi... Après, à l'époque, j'étais pas autant motivée. Hein. Mais je m'étais fait le compte Babelio, j'avais tout rentré, et ça m'a tenu 2 semaines. Hein. Et encore 2 semaines, je suis généreuse. Il m'avait vraiment pas... il m'avait pas emballé. Mais c'était en 2010, donc... J'ai changé depuis, je fais plus de contenu littéraire, il y a plus de trucs, tu vois. Petite question, l'appli Goodreads a-t-elle la possibilité de mettre les citations? J'utilise l'appli au quotidien et je vois pas ça. Ah, bonne question, Shira. C'est quoi, je vais créer un compte Goodreads et on va vérifier. Parce que j'avoue que si tu peux pas le faire... Je finis de ranger mon truc. Si tu peux pas le faire sur... sur le truc, ça a pas d'intérêt. Hein. Pourquoi je vois plus mes livres? Voilà. J'ai voulu télécharger Goodreads sur mon tel, mais ça fonctionne pas sur mon tel. Comment ça se fait? Hop, voyons voir. On va expérimenter. Il faut expérimenter dans la vie. Hein. J'ai reformulé. Si ton but, c'est vraiment d'y aller que pour les citations, je pense pas que Goodreads soit spécialement la meilleure idée. Par contre, si ton idée, c'est de tenir un site à fond des actualités plus les citations Goodreads, c'est le mieux des deux. C'est de tenir un site à fond des actualités plus les citations. C'est toujours pas très clair, mais je crois que je vois mieux. En fait, c'est ta fin, là, qui me perturbe. Merci pour le follow de Doob! Je finis de ranger parce que ça me tend et on s'occupe de... J'ai quasiment que des trucs que j'ai plus. Hein. En même temps, quand un livre me bâme pas, je m'en sépare, donc ça fait sens. Il y en a quand même que j'ai encore. C'est avant que je déménage, vache. L'appli Goodreads est un peu lente et bug parfois. Ok. Est-ce que tout le monde a le même ressenti? Non, parce qu'en fonction des téléphones qu'on a, on n'a pas tous les mêmes... Il m'en manque encore 15. J'ai fini! C'est tout rangé, c'est tout beau! Babelio, je crois que ça marchait bien à l'époque. Maintenant, je sais pas ce que ça donne. Hein. Alors, voyons voir. On va tester. Parce que là, de toute façon, sans être signe P, on peut pas voir. Alors, attendez, je change d'onglet le temps de... Ah oui, Alice. Oui, oui, bah oui, ça fait partie du truc. Oui, oui, clairement. Pas de bug chez moi, elle veut pas plus que ça chez moi. Je crois que mon tel est juste trop vieux, il a 6 ans. Ah. Sign up with mail. Bon, on va mettre le pseudo, je vais pas mettre mon nom, hein. Vous êtes gentils, vous. Hop. Password. Oh, attends, on va faire les choses bien comme hier. Où est mon truc de mot de passe? Hop là. Je viens d'envoyer un message à Livradi pour voir si c'est possible de rajouter cette option en C4, les citations. En vrai, c'est une bonne idée. Parce que ça se trouve... Alors, j'allais dire, ça se trouve, ils y pensent pas. Ça m'étonnerait. Je serais étonné vu que la concurrence l'ont tous, que eux, ils y aient pas pensé, mais... sait-on jamais, hein. Alors, Goodreads. Nom d'utilisateur. Tiboudouboudou. Essayons des choses dans la vie. Il faut essayer des choses dans la vie. Il faut oser, il faut oser. Hein. Copier. Hop. Enregistrer. Hop. Hop. Create account. Ok, je dois vérifier... mon mot de passe. Ma boîte mail, où es-tu? Vérifie Goodreads email. Oui. J'arrive. Create account. Get book recommendations from your friends. Check your address book to find friends on Goodreads. Non, 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 mais... attends, c'est quoi? Wow. Ah, je peux envoyer des mails en mode « Venez, rejoignez-moi !» Non, mais je vais le faire dans le chat. Oh, alors attends, ok, donc là je pense... Attends, j'ai peur qu'après ils mettent une dinguerie. Non, je pense que c'est bon, je pense que je peux vous mettre... Alors attends, hop, on repasse en plein écran. De toute façon, j'ai pas mis ma carte bleue, c'est pas comme si je craignais quelque chose. Hein. Attends, je crois que tu peux aussi cacher tes reviews s'il y a des spoilers. Ouais, ça m'étonne pas. Les citations sur la piste avec les avis, on peut voir à quel pourcentage la personne l'a écrit en plus. Oh, c'est trop cool ça, Chloé. On va checker, on va checker. Alors... je veux lire... Combien de livres je veux lire en 2024? C'est un joli chiffre, 88. C'est mon chiffre préféré, le 8. Hop. Après, on est déjà en avril, donc... favorite genre? Graphic novel, manga... non, pas romance, ça va. Historical fiction, classique, biographie,
Fantasy, history, poetry. Pas thriller, non, non, ça va. Non, 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 non. Cookbook, non. Gay, lesbienne, ça peut. Young adult. C'est pas mal, on pimpera si jamais. Hein. 888. C'est pas déjà passé ce chiffre. Read books that you have read. Non mais alors, pas tout de suite, les gars. C'est... Ah oui, il y a beaucoup de... Oui, non mais biographie, c'est pas vraiment biographie en fait. C'est ma faute, j'aurais pas dû... Non mais c'est pas vraiment biographie en fait. Je voilà. Mais c'est bon, stop. C'est gentil, je ferai plus tard. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas ta faute. Regarde, ils sont sorry, mais non, non, c'est pas vous. C'est moi qui... T'inquiète. You need to rate at least 20 books to get Goodreads. Oh, c'est cool! C'est grave cool qu'ils mettent des recommandations. Je trouve ça grave cool. T'as déjà lu 149 livres. Ah, je pensais roman. Oh, déjà! Ninpink m'a accepté. Bah, je t'approuve. Top friend, on va se calmer quand même, Ninpink. Friends déjà, hein. Friends, hein. Alors, attends, parce qu'on peut me follower. On peut... déjà, mon profil. Ah non, ça c'est mes amis. Tiboudouboudou, profile. Waouh, il y a plein de trucs, hein. 29. J'ai lu 92 mangas. Oui, parce que je fais un manga par jour et donc 92... Oui, c'est... Alors, oui, bah je vais peut-être modifier. Je sais pas si on peut modifier... Edit. Oui, je peux modifier, c'est très... Ouais, non. On va laisser 88, mais... voilà, au pire, je... Alors, attends, là, je reviens. Profile. Donc, on va mettre une photo de profile. Gender. Female. Zip code. Il m'a fait habiter dans un endroit... improbable, là. Ah, US only. Bah oui, non. France, voilà, très bien. Date of birth, ah bah oui, on va mettre, hein. 89, voilà, parce que je suis vieille. Et le 8, hop. Bah, oui, on complétera plus tard. Déjà, j'ai mon anniversaire, c'est l'essentiel. Et comme c'est une grosse commune, il y a moins de choses qui laguent à mort comme Livradic des fois, donc pour rentrer la citation, ce sera simple. Oui, tu m'étonnes. Alors, c'est vrai que Livradic, on a connu, hein, l'expertise. Salut Grace! Alors, attends, je reviens sur... comment je fais pour mettre... Voilà, ma photo de profil. Qu'est-ce qu'on va mettre? Document. Bah, je vais mettre ma même tête que sur l'autre. Hein. Il veut pas? Il veut pas. C'est trop gros peut-être. Attends, pour la chaîne. Celle-là? Ah si, ça a marché! Priya. Je viens de t'ajouter. Ouais! J'approuve. Ouais, mais arrêtez avec les top friends là. Check this box to make Sophie's. A top friend. You can view updates from top friends separately on the home page. They will also show up first on your profile page. Ah ouais. Approuve. Oui, je t'approuve. Ok, cool. Non, on n'est pas top friends. Calmez-vous, hein, les top friends, là. Ça va vite un peu, là. On se connaît pas. Laissez-moi. Ah, déjà. Et vous êtes très rapide. Vous êtes très... J'approuve mes friends. Oui, pas top friends, mais j'approuve mes friends. Ok. Donc, à la base, on voulait voir les livres. Alors, attends. On va prendre... Je ne trouve pas où te demander en ami. C'est une bonne question. La Servante écarlate, c'est le premier livre que j'ai noté. La Servante écarlate, de Margaret Atwood. Parfait. On fait l'expérimentation. Mais oui, je sais, mamie Paulette. Je me doute bien que ça se met tout seul. Ah, j'ai une notif. Alors, Margaret Atwood. Oh, bah, c'est écrit en français, en plus. Tiens, je me demande, comme j'ai dit que j'étais française, est-ce que par hasard... Non, je pense que c'est...
Est-ce qu'il mettrait les résumés en français exprès? Non, je pense pas. Non. C'est juste Margaret Atwood. Ouais. Alors, comment je classe? Je l'ai lu. Je peux ajouter des mots-clés ou des phrases utilisées pour décrire et catégoriser le livre. D'accord. Ok. Ah, c'est peut-être c'est ça qui fait les étagères? Oh, sympa, Mamie Paulette. On va faire bugger le site. Attends, je regarde. Déjà, j'ai mis que je l'ai lu. Faut s'organiser, hein. Edit my activity. Ok. Waouh, d'accord. Donc là, c'est la review pour La Servante Écarlate. Donc, je peux choisir de créer une étagère. Ça peut être super cool pour classer les livres en mode féminisme, mythologie grecque, trucs comme ça. Alors, il y a aussi les listes sur Livre Addict, hein. Clairement, hein. C'est juste que comme là, bah, c'est un nouveau truc, j'y pense là. Parce que j'avoue que sur Livre Addict, il faudrait que je retape toute ma bibli. Enfin, que je re-rentre toute ma bibli, tu vois. Mais ça peut être intéressant pour organiser les... Tu sais, genre, ouvrages féministes, les trucs de mythologie grecque, les trucs young adult, dystopie. Enfin, rangés par genre, en fait. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors, attends, si je rajoute... techniquement, La Servante Écarlate... On est sur une dystopie, mais on est aussi sur du féminisme. Je peux créer les deux. Je peux créer les deux. Féminisme. Ah, pourquoi il... Ah, parce que j'ai mis un accent. Ah. Ah, mince. Comment je change? Ah, j'ai créé... J'ai fait... J'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Mes shelves... Je veux ranger mes shelves. Je vais y arriver, ok? Bookshelves. Ah, voilà, edit. Parfait. Voilà, bah non, parce que j'ai mis un accent et il veut pas. Ah, rename. Très bien. Je veux juste enlever. Hop. Save. Et à la limite... Ça, je peux pas les modifier. Féminisme. Hop, très bien. Et on va ajouter d'un coup dystopie. Dystopie. Il y a un Y quelque part. Dystopie. Ah, c'est ça. Le Y est au début. J'ai toujours un doute. Hop. Je trouve que c'est plus simple sur l'appli. Je vais aller voir après. Je veux faire un... Pardon. Je veux faire un essai avec le site et un essai avec, avec l'appli. Pour avant de valider officiellement, tu sais, genre en mode... Allez, c'est... Ma nouvelle vie. Mais oula, j'ai un truc qui bug. Attends, parce que j'ai trop de trucs ouverts à côté. Hop. Babélio, du coup, tu peux virer. Pourquoi tu veux pas? I'm done. Ah, peut-être parce que j'avais pas validé. Peut-être parce que j'avais... Oui, il fallait que je fasse I'm done. Ok, donc je retourne sur La Servante Écarlate. Très bien. Je retourne sur Edit My Activity. Donc je choisis mes choose. En dystopie aussi. Très bien. Alors, je peux cacher... Oh, c'est intéressant. Je peux cacher la review en entier à cause des spoilers. Oh, tu peux mettre en italique. Oh, ça, c'est trop cool. Parce que putain, Livre Addict, ça me fait chier qu'il n'y ait pas les... Tu sais, gras, emoji, machin, là. Donc là, t'as tous les trucs comme on a sur Discord. Les trucs où tu peux mettre les commentaires, les machins, tu vois. Genre en gras, en vert, en machin. Là, tu peux mettre directement une référence à un livre ou à l'auteur. Ça, c'est trop cool aussi. Tu sais, genre, tu dis... Pardon. Ah, j'ai déjà lu Patacouek de cet auteur, ça me fait penser. Et bah bim, tu mets la référence de Patacouek et quand les gens ils lisent ta review, ils cliquent sur Patacouek. Et ils vont sur la page de Patacouek. Ah, ça c'est pas mal. Et ça c'est quoi? Ah, c'est pour avoir plus de place. Ah oui! Ah oui, non mais calmons-nous! Non, non, mais ça va!
Ça va, ça va. C'est... Je... On a de la place, en tout cas. On a de la place. On peut faire des gros paragraphes. Hein. On peut mettre la date où on l'a lu. Et si c'est une relecture. Now you can track all the times you have read a book. Make sure to fill in the year finished to add it at to your reading challenge. Trop cool. Donc du coup, tu peux mettre plusieurs dates de lecture. Très bien. Donc en vrai, je peux mettre, je crois que je dois l'avoir, parce que je devais déjà utiliser Livre Addict à l'époque. Je suppose, si j'avais déjà mon carnet. Je serais étonnée que j'ai pas la date de fin de lecture. Lu le 24 février 2022. C'est toujours là, lui. 2022. Février. 24. Hop, très bien. Post to blog. Je sais pas ce que ça veut dire post to blog. Je peux poster, l'ajouter à mon update. Uncheck this box to save the chain. Alors, ça, c'est si je veux rajouter un truc sans le mettre sur mon fil d'actualité. C'est pas mal, ça aussi. Ouais, grave melon. C'est clair, c'est vrai que les relectures, ça manque. Hein. Bisous, Alice. N'oublie pas la note en haut. Oui, t'as raison. Bon, c'est en 5 étoiles, hein, Serviante Écarlate. Hein. Clairement, c'est... J'accepte vos demandes juste après. Je finis de comprendre l'affiche. Step by step. Est-ce que après on peut modifier... C'est quoi, on va voir. Alors attends, more details. Private notes shown only to you. D'accord, on peut écrire des trucs juste pour nous. Ça, c'est pas mal aussi. Pour avoir les noms des... Tu sais, parce que des fois, genre, je sais que moi, dans mes retours lecture, sur mon carnet de lecture, souvent, je mets les noms des persos. Tu vois, genre, les gens qui sont morts, les trucs que, genre, je zappe, tu vois. Merci pour follow, Rama Assam. Bienvenue. Donc ça, c'est pas mal. Et en dessous... Alors, par contre, je vois pas où on est les citations. Donc alors attends, post, déjà. Je peux partager ma review. J'ai rangé sur les étals. Ça, c'est trop cool que t'aies les... Maintenant, les citations, comment on fait? Ah ouais, Missy Richard, bah tant mieux dans un sens. Thibaut, j'ai une question, désolé, on te l'a peut-être déjà posé plusieurs fois, mais est-ce que tu comptes faire un let's play sur Raymond Sucré New Gen? Peut-être, c'est trop net. Déjà, je finis... truc. Love life. Ok, donc là, j'ai noté... Alors, comment se présente mon profil? Attends. Déjà, j'aimerais bien trouver où on met les citations. Right, ah donc là, je peux éditer ma review. Très bien, enfin, en faire une. Ok. Là, c'est bien, on voit si nos amis ont lu le livre. Tu dois retourner sur la page du livre. Ok, il y a add quotes quelque part. Faut que je trouve où. Peut-être en bas. Wow. Est-ce que les quotes sont là? Est-ce qu'il faut que je clique dessus? Ah non. Ah, de quotes. Ah, c'est là. Ah, normalement, avant d'ajouter une nouvelle citation, s'il vous plaît, vérifiez d'abord qu'elle n'existe pas déjà dans la base. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de les noter, même si elles existent déjà, pour m'y retrouver. Sauf si je peux mettre que je les like. Ah, je peux les liker. Alors, comment ça se passe? Alors, attends. De toute façon, moi, c'est en français, donc en soi, elles vont pas y être. Alors, on va essayer. Start typing for autocomplete. Only put the name, please. Auteur. C'est quoi, auteur? C'est moi? Ou l'auteur Margaret Atwood? Ça me paraît logique que ce soit Margaret Atwood. Alors, je vais en prendre une au pif. Bon, la première.
je n'avais jamais rencontré de telle femme en vrai, mais j'avais vu des images. Point. Telle est l'influence enchanteresse de l'art. Page 12. Est-ce que vous savez si ça va... Qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? Ah, je peux mettre des tags. C'est grave stylé, hein. Alors, save. Attends, il y avait marqué « No need for quotation marks ». Ah, c'est les guillemets. Il n'y a pas besoin de guillemets, d'accord. Ah, mais il me note pas. Il compte pas... il dit pas directement que c'est dans Margaret Atwood ? Il met pas le... Attends. La servante est carte. Parce qu'en fait, moi, je pensais que directement, t'étais sur la page du site et... Ah, The Huntsman's Tale, voilà. Et il y en a beaucoup différents. C'est quoi la différence de tout ça? Je vais juste voir. Il y a un S, ouais, il me semblait bien. Ah, peut-être à H. Non! Oh! C'est compliqué cette histoire. Mais non, c'est juste le temps de comprendre. C'est comme tout site. Hein. Rappelez-vous Livre Addict au début, s'il vous plaît. On savait même pas comment ajouter en wishlist ou en pile à lire. En fait, c'est juste... Ce qui m'intrigue, c'est que du coup, t'es pas... Après, page 12, je sais pas si c'est vraiment utile de le marquer. C'est pas noté directement sur la page du livre. C'est ça qui me perturbe. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc là j'ai ça. Et on peut mettre des tags et tout. Ok, d'accord. Je commence à cerner. Ouais, Yuri-chan, j'arrive. Je commence à cerner. C'est lent. Non, mais c'est normal. Faut le temps de tâtonner. Voyons voir sur mon profil. Je vous accepte après, ne vous inquiétez pas. Ok, donc là, il y a mon truc. Ce que je me demande, c'est est-ce que je les retrouverai facilement. Ouais, là, je pense. Je pense que c'est... Par contre, je peux pas les modifier. Et si là, je retourne sur la servante écarlate... Est-ce que j'ai moyen de retomber sur ce que j'ai mis moi? Assez facilement en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Si je vais dans quote à nouveau. Quote. Quote, 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 quote. J'ai pas les miennes qui... C'est ça qui me... Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que j'aimerais bien, c'est... est-ce que je peux les retrouver? Je vous accepte pendant ce temps. attends. Oui, j'approuve. 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 J'approuve Behind. J'approuve Sandrine. J'approuve Lolinette, Yuri-chan, Stitch Hopper, Cornelia et Nuit Noire. Et je vous enlève de mes top friends. Parce que je vous aime beaucoup. Mais faut se calmer. Hop. C'est ton profil peut-être. Bah là oui. Mais parce que j'en ai écrit une. Ah attends, si je fais ça. En fait, ce que je me demande, c'est quand... Parce que là j'en ai écrit une, tout va bien. C'est si j'en écris 12, est-ce que je les retrouverai facilement en cherchant? Parce que là, j'ai l'impression que ça ne cherche pas que dans mes citations à moi. Ah, peut-être que si. Peut-être que si. Oui, c'est vrai, Mina, c'est vrai. En tout cas, ça a l'air pas mal, hein. Vraiment. Ça a l'air pas mal. Il faut que je vois. Il y a écrit Thibaut de Boudou, quote. T'as rajouté un boudou, je crois. Ça me semble très long, Mina. Je pense que ce sont les tiennes. Oui, alors ça, oui, mais ça met que les dernières. Ah, j'ai une demande d'amis. Marina, oui, tu es mon amie. Profile. Je pense que oui, il me semble que sur le compte de Maria, on peut cliquer sur plus de ses citations. Ouais, mais en fait, ce qui m'intéresse... Attends, Maria est toujours là. Maria ne nous a pas quittés. Ah bah, je vois un peu plus de trucs, du coup, maintenant que je suis abonnée. Enfin, que j'ai un compte. Oh, je peux comparer les... Oh, sympa! Je peux comparer les livres. Ah, mais trop bien. On voit les différentes notes qu'on a mis. Trop bien. Donc en gros, si je vais en bas... Non, ça c'est les livres, merde. Maria's Quote. More of Maria's Quote. Oh, coucou, je sais pas si on a écrit tant que ça. Est-ce que je peux chercher... Alors attends. On va faire une expérience. Ah, mais je sais pas sur quoi elle a écrit aussi. C'est tout le... Vas-y, si je cherche sur Frank Zappa... Oscar Wilde. Est-ce que j'en ai qu'une qui sort ou est-ce que j'ai tout qui sort? Ouais, voilà, là, j'ai tout, tout, tout. J'ai pas que les siennes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me... Là, j'ai les miennes. Mais est-ce que je peux voir que les quotes de Maria? Vous voyez ce que je veux dire? Bisous, Pripri! Parce que, genre, moi, quand j'aime bien quelqu'un, j'aime bien savoir ce qu'il a aimé comme citation. Vous voyez le dilemme? Oh oui, il y a beaucoup de tags là. Ah mais je crois qu'elle en a écrit que 6 en fait. Elle en a écrit que 6. Un bouton pour filtrer les recherches. J'ai pas l'impression. Hein.
Est-ce que certains d'entre vous ont écrit... Tiens, Cornelia, t'as écrit des trucs ou pas? Non, tu viens d'arriver aussi. Qui c'est qui a déjà... Tiens, Sophie. Sophie, je sens que t'as écrit des trucs. Waouh, Sophie, ton fil d'actualité est dense. Mais tu n'as pas écrit de citation, Sophie. C'est la tristesse. Parce que je sais pas si sur Babeliop, pour revenir... parce que à la base, je cherche l'optimisation. Hein. Babeliop... Si je vais... Ah oui, mais du coup, ce que j'ai écrit a été supprimé. Ah si, une. Voilà, là, pour le coup... Elle est notée que c'est la mienne. Oui, alors je pourrais pas. Si j'en ai 200, je pourrais pas retomber dessus non plus. Une menace creuse émanant d'une fille qui ne l'est pas moins. Dans ta gueule! Je sais pas, je suis partagée, hein. Je suis partagée. Parce que t'as pas d'onglet... C'est fou, mais il y a que moi qui tiens aux citations. Je suis une vieille nostalgique, en fait. Ouais, Mina, c'est complexe, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution satisfaisante. Bah... Il n'y a pas de solution parfaite. Parce que je pense que en vrai... Genre là, tu pourrais avoir le total des citations que j'ai écrites. Enfin, que j'ai écrites, que j'ai recopiées, quoi. Mais je pense pas que tu puisses les classer. Et si je vais, attends, je retourne chez Maria. Maria, Maria, Maria. Où est-ce que j'avais vu, voilà, mort, compare books. La servante écarlate, elle l'a lu aussi. Donc je peux voir sa review. Donc ça, c'est cool. Ah, on peut commencer là, on peut commenter la review. Ça, c'est sympa. Mais je peux pas avoir... Oh, de toute façon, elle a pas écrit de citation, donc mon exemple marche pas. Livre addict, on veut une appli avec le scan, un encart citation. Oui, et répondre comme. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi, hein. En fait, le côté réseau social, il est bien poussé. Je sais pas si... il est simple à... Pour ce que je veux, quoi. Bisous, Yuri-chan! En vrai, je pense que je vais essayer de faire, c'est que je vais faire 2-3 livres et je vais voir si je m'en sors mieux. Parce que là, en vrai, avec un livre, forcément, bah, j'ai un résultat, tu vois, donc... C'est confusant. C'est ça, tu vois, il faut prendre le temps de tâtonner, de voir si je me... comment je m'habitue, etc. Et voir aussi sur l'appli si c'est simple d'ajouter les citations aussi. Ça, c'est important. N'est-ce pas, Mina? Après, sinon, voilà, il y a toujours l'option de Babelio. Hein. Mais je pense... que ce serait la même situation. Je pense que Babelio, il y a les citations, mais en vrac, quoi. Critique, presse, citation. Il n'y a pas non plus de voir les miennes, tu vois. Donc... C'est pas... Là, il y aurait le truc parfait pour les citations, je pense que j'aurais basculé.
Mais c'est pas le cas, hein. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, non, mais je pense pas que Babelio soit mieux. Je pense que c'est compliqué de juger sur un seul livre entrée. Fin de la vie. T'as raison, Mina. Tu as raison. Oui, t'as raison. T'as raison. Je vais tâtonner un peu cet après-midi. Et puis je verrai. Je vous dirai demain ce que j'en pense. Si ça le fait ou pas. De toute façon, je vous dis, il faut que je prenne l'appli pour voir. Tant que j'ai pas l'appli, je peux pas avoir d'avis attitré, quoi. Je préfère une compilation des fois où tu dis c'est vrai, Mina, tu as raison, c'est un génie. La modestie de Mina. Après, Goodreads, les bons points, c'est les classements, la machin. Mais ça, on pourrait le faire avec les verdicts aussi, remarque, avec les listes. Mais il y a des trucs intéressants, hein. Il y a des trucs intéressants. On verra. En tout cas, c'est l'heure d'aller manger. Sur ce, mes petits poulets de grains. Ouh! Ouais, et les relectures aussi. Ouais, non, mais il y a des trucs intéressants sur Goodreads. L'objectif de lecture aussi. Ouais, non, mais il y a des trucs intéressants. Faut creuser. Faut creuser, voir si c'est plus instinctif après, tu vois. Perso, je comprends pas trop Goodreads. Alors, en vrai, tous ceux qui découvrent comme moi Goodreads, il faut bien vous dire que Livre Addict, au début, c'était la même chose. C'est le genre de site où je pense c'est toujours un peu cafouillant au début, en fait. C'est toujours un peu en mode waouh. Comment je m'en sors, tu vois, il y a trop de bordel. Donc il faut se laisser le temps de découvrir, de remplir les trucs. Quand j'aurai moi-même plus compris, et si ça convient, je vous en reparlerai. Mais il faut déjà, ouais, remplir un petit peu, quoi. Ah ouais, non, mais Livre Addict, au début, c'est une tanasse, hein. Je galère encore sur Livre Addict. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Au bout d'un moment, vous allez comprendre, c'est assez simple. Ouais, mais j'y crois, Sofoux, j'y crois. Tu vas manger quoi? Peut-être une salade. J'ai un reste de salade à me faire, ou des pâtes, genre ravioli au jambon. C'est possible aussi, je verrai. Du coup, on se retrouve à 18h aujourd'hui pour... Pourquoi? Pour la vidéo Gage pile à lire, qui, je pense, va vous plaire. Je pense que ce qui sort va vous plaire. Et demain, pour le stream, je pense que ce sera 16h30. Voilà. Je mange pas de poulet, Mina, tout va bien. Pas aujourd'hui, en tout cas. Demain, peut-être. Je vous fais tout plein de bisous. Passez une excellente, excellente journée. Je vous aime très, très fort. Et j'ai déjà trop hâte de vous retrouver. J'ai du mal à vous quitter en ce moment, hein. Je suis un peu addict à vous, hein. Bisous! J'ai hâte de faire tout plein de trucs cet après-midi. Ça va être chouette. Poutou, poutou, poutou!